Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h sur Equinox Télévision pour ce programme 10-12 Le Zénith. On va commencer par évoquer le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, qui a pris la parole hier pour répondre à l'Amérique, aux États-Unis, suite aux sanctions sur la Goa. Rappelons que ça fait 20 jours hein, que les Américains ont pris cette décision. Et le gouvernement camerounais, souvenez-vous, n'avait toujours pas pris la parole officiellement. Donc c'est fait depuis hier. J'aimerais reprendre ici avec vous quelques mots du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Il dit ceci exactement. Nous tenons particulièrement à nous féliciter de la qualité de relations entre le Cameroun et les États-Unis, qui se sont notamment traduites ces dernières années par une coopération militaire et sécuritaire qui a largement contribué au renforcement et à l'efficacité de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Par la suite, il dit, la Goa est une porte ouverte sur le grand marché des opportunités américains et le Cameroun entend, en ce qui le concerne, continuer d'en tirer autant que faire se peut, partie donc de ce programme américain à Goa, comme par le passé, le Cameroun remplit les conditions nécessaires à cet effet, persuadé également qu'il en va de l'intérêt du Cameroun comme celui de nos partenaires américains. Donc voilà la posture hier du ministre de la Communication. Il faut dire qu'au lendemain de cette décision américaine, il y avait eu beaucoup d'arrogance de la part de certains Camerounais qui avaient estimé que les Américains n'avaient pas à s'immiscer dans les rapports internes du Cameroun, n'avaient pas à s'ingérer, c'est le terme ingérer, dans les affaires du Cameroun, État souverain, soit dit en passant. Là maintenant, le ton est plus mesuré, le ton est plus conciliant. Est-ce que René-Emmanuel Sadi, diplomate de formation, a bien compris qu'il fallait y aller doucement avec cette grande puissance mondiale qu'est l'Amérique? Donc voilà clairement pour une leçon donnée à ces communiqués qui parfois frise avec l'arrogance sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision, malheureusement, le Mincom a sonné la fin de la récréation en étant plus policé avec les Américains. Je voudrais également, Madame, Monsieur, ce matin, évoquer un fait remarquable vécu ce matin sur Radio Equinox entre 6h et 9h. Nous recevions le secrétaire général du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Christophe Ndong, qui était notre invité exceptionnel ce matin sur Radio Equinox. Ce qui est remarquable, c'est qu'à la sortie de l'émission à 9h, nous avions de nombreux militants du MRC qui sont venus l'acclamer, comme quoi, évidemment, dans ce pays, il y a des personnes qui bougent beaucoup. La police a dû intervenir hein, pour maintenir l'ordre au bas d'Equinox ce matin, parce que la foule immense qu'il y avait au bas d'Equinox ce matin, venue donc recevoir le SG du MRC, ayant écouté la radio. Le matin, évidemment. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. Nous sommes là jusqu'à 12h. Monsieur Mbatchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Non. Non et non, ça ne se fait pas dans une république, monsieur le ministre des élections au Cameroun. Dites à vos sous-préfets, dites à vos collaborateurs, monsieur le ministre des élections, je vous en prie, de signer les autorisations, de signer les documents à tous les futurs candidats. Quelle est cette histoire que dans une république, l'ensemble des représentants disparaissent étrangement? Les candidats se retrouvent à avoir des soucis pour signer. On va jusqu'à demander des quittances d'électricité, on pose des questions, on fait même, il faut dire ce qui n'est même pas mentionné, de glace. Permettez à tous de pouvoir postuler. C'est important, si véritablement vous voulez une clarté. D'accord. Et il faut rappeler que ce matin sur Radio Equinox, Christophe Ndong, le SG du MRC, qui était sur notre plateau à la radio le matin, a clairement dit, il s'est en tout cas étonné de ce que de nombreux militants du MRC soient dans les sous-préfectures le matin très tôt et doivent attendre, attendre, attendre jusqu'à très tard dans la nuit. Et il s'est étonné
de savoir que depuis qu'ils font ça, ils n'ont pas vu de militants du RDPC. Et ils se posent la question, quand est-ce que ceux-là, justement, font signer leurs propres documents? On peut imaginer alors ce qu'a répondu Dr. Édouard Fauchivé sur le plateau ce matin, représentant du RDPC. Il lui a dit qu'au RDPC, ils n'ont pas de problème de signature de documents parce qu'ils étaient prêts avant que le corps électoral soit convoqué par le président de la République. Et justement, le militant du MRC lui a répondu, mais donc ça veut dire que le MRC est dans, que le RDPC est dans le secret des dieux avec la convocation du corps électoral. C'était très, très émouvant ce matin quand même, hein, à la radio, sur Radio Equinox. Alors, également sur le plateau ce matin, Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fauposi. Bonjour à nos téléspectateurs. Un surveillant général poignardé par les élèves du lycée bilingue de Bafoussam dans l'enceinte des établissements. Le surveillant général a pris les téléphones de ces élèves-là, deux élèves, et ils ont décidé d'aller récupérer leur téléphone dans son bureau, ont défoncé son bureau, l'ont trouvé et l'ont poignardé. Voilà, c'est triste et c'est inacceptable parce que les enseignants continuent à crier leur détresse, leur insécurité au sein des établissements scolaires au Cameroun. Jacques Bessala, le président du nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun, a commis une sortie pour s'indigner justement contre ce problème des élèves. Et quand on voit d'ailleurs ce qu'a fait le surveillant général, il était dans son droit d'exiger que ses élèves lui remettent leur téléphone portable, puisqu'il est interdit pour les élèves d'entrer dans l'enceinte du lycée avec le téléphone portable. Vous imaginez comment nos enseignants souffrent dans nos établissements scolaires, malheureusement. Également sur le plateau ce matin, vous, monsieur Donald Brice-Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut aussi bonjour à nos téléspectateurs. Le taux d'exportation des grumes est en augmentation au Cameroun. On a environ 8 000 mètres cubes sur les 14 dernières années. C'est le résultat d'une étude menée par le Centre pour l'environnement et le développement. Je rappelle que le Cameroun perd 60 milliards de francs CFA par an en raison de ses exportations du bois camerounais. Et ce, en violation d'une loi qui date de janvier 1994 et qui indique précisément que l'exportation du bois, des grumes, est interdite au Cameroun à partir de 1999. Eh bien, cette loi est allègrement violée, foulée aux pieds par nos pouvoirs publics et les pertes financières sont énormes. Voilà, Donald Brice-Kamgan avec nous ce matin dans cette émission, Madame, Monsieur. On va bien sûr se tourner sur le côté pour bien faire un sourire bien envoyé ce matin à Dominique Audrey Oyengelek. Ça faisait très longtemps. Je ne vous avais pas souri. Je le fais encore ce matin. On se demande pourquoi. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Parce que ça fait longtemps justement. Alors, bonjour et bienvenue à l'histoire du jour. Bonjour, il faut aussi. J'ai un sourire ce matin parce que cette histoire, j'ai ri au nez de la personne qui me l'a raconté. Pas parce que c'est ridicule, mais bon, à vous d'en juger. Aujourd'hui, on parle d'Aloïs et de Johanna. Les deux se sont rencontrés dans un taxi, ils ont discuté et de là est née une relation. Une relation qui a duré 2 ans. Johanna est troisième d'une famille de 10 filles. Et aujourd'hui, Aloïs entreprend d'épouser Johanna parce qu'il l'aime et il veut faire d'elle son épouse. Il s'est rapproché de la famille de Johanna pour les démarches d'autres et autres. On lui a demandé pour le toqué-porte une somme de 200 000 francs. Et la liste totale de la dot faisait 2 millions et demi. Aloïs a laissé entendre à sa belle famille, sa future belle famille, qu'il n'avait pas suffisamment de moyens, qu'il était, il se débrouillait encore, il n'avait pas grand-chose. Et avec l'appui de sa belle-mère, on a pu réduire le montant de la dot à 1 million de francs CFA. Jusque-là, Aloïs dit qu'il ne peut pas. 1 million, c'est beaucoup. Il faudrait qu'on fasse encore des efforts. Auquel cas, que son beau-père lui donne un moratoire dont il pourra payer 500 000 francs et payer le reste dans la durée, progressivement. Son beau-père lui a dit « Non, je suis désolé. Ma fille ne sort de ma maison que si tu me donnes l'intégralité de la somme d'1 million de francs. »
Aujourd'hui, le second problème, c'est Johanna. Johanna a dit à son père que « Papa, je suis désolée, tu es mon père, mais je vais aller avec Aloïse. » Parce qu'il est hors de question que tu me bloques dans cette maison sur 10 filles. Il n'y a que 2 qui sont déjà mariées. La 3e qui va aller en mariage, tu refuses alors que j'ai des grandes sœurs qui accouchent à la maison. Elles ont 40 ans, elles sont là et elles ne vont pas en mariage. Moi, j'irai. Et aujourd'hui, on a Johanna qui est prête à se marier vendredi. Elle a dit à son père et son père lui a dit, si jamais, par le plus grand des hasards, j'apprends que tu t'es mariée sans l'autorisation, sans l'aval de la famille, je te renie. Et Johanna de dire à son père, je suis désolée, c'est impossible, je suis de ta famille, donc tu ne pourras pas me renier. Soit tu acceptes Aloïse avec le moratoire qu'il t'a demandé, soit je m'en vais. Aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est de savoir, est-ce que, quels sont les critères, en fait, de demande de dot et que dit la tradition à ce sujet-là? Est-ce que cette fille peut outrepasser les interdits de son père ou de sa famille, si on veut? Et c'est quoi ce garçon qui n'est pas capable de donner 1 million pour la dot? C'est ça que, c'est pour ça que vous avez ri au nez. Voilà. Oui. Dites-nous ça tout de suite. Voilà. 1 million. Oui. Même, pour vous, 1 million, c'est... L'argent des arachides. Cacahuètes. Voilà. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Des cacahuètes. C'est bien ce que je pensais. Alors, cela pose la problématique de la dot en droit de la famille au Cameroun. Alors, le code pénal s'est, on va dire, penché là-dessus. L'article 357 du code pénal camerounais, pour faire le cadrage, a fait de cette affaire, justement, a tiré de cette affaire une infraction qu'on appelle exigence abusive de dot. Cela est punissable de 3 mois à 5 ans, donc de prison, vous imaginez. C'est très grave ce qui se passe, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'à partir de quel moment on suppose qu'il y a une exigence abusive de la dot. Ça veut dire qu'on peut imaginer le montant. Quel est le montant sur lequel on peut s'accorder? Dominique Audrey trouve que 1 million de francs CFA, ça ne coûte pas grand-chose. Ça me rappelle un tweet que j'ai lu hier, évidemment. On parlait de quelqu'un qui avait dû être obligé d'avoir une... les parents de sa fiancée, appelez ça comme ça, lui avaient exigé une dot d'à peu près 5,7 millions de francs CFA. Alors, il est venu s'épancher sur Twitter pour se lamenter. Vous savez, Twitter est devenu le mur des lamentations comme à Jérusalem. Donc, il est venu se lamenter. Et il faut voir. Et il faut voir le nombre de personnes, de femmes surtout, qui sont tombées sur le pool, dit que 5,7 millions, c'est rien du tout, mais on t'a même aimé pour ces 5,7 millions. Mais moi, ce qui m'a plu dans les réponses, c'est quelqu'un, un Camerounais, qui est assez, je trouve, tout à fait lucide, qui est venu dire, mais expliquez-moi, mesdames, messieurs, sur Twitter, comment les Camerounais font pour vivre? Vous avez un Camerounais qui a 150 000 de salaire par mois. Mais vous le voyez rouler dans une berline, vous le voyez avoir une grande maison, vous le voyez faire telle chose et vous le voyez avoir une femme qui dote à 5,7 millions de francs CFA. Et il fallait voir, le débat a changé le cours. Ils ont commencé à dire que, mais écoutez, il faut penser à ces gens-là qui ont des détournements de fonds publics, qui ont des gombos dans les administrations. Et vous imaginez, donc, c'est un sujet éminemment important et on le pose sur la table ce matin. Alors, Charles Abel, je commence par vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une question qu'il faut poser, M. Eric Fopoussi. Quel est le bonheur d'un parent qui a une fille et qui a des filles et des fils? Chez les Bantous, le père, le bonheur d'un parent, permettez-moi l'expression, c'est de voir ses fils réussir et de voir ses filles aller en mariage, M. Eric Fopoussi. C'est très tumultueux, c'est réducteur d'avoir un père qui se retrouve dans une maison avec toutes ses filles qui ne sont pas allées en mariage et qui ont fait des enfants au-dessus de 1, 2, 3, 4, 5 enfants sur place, comme on veut nous le dire, monsieur Eric Fopoussi. C'est excessivement grave. C'est la honte, monsieur Eric Fopoussi. La honte. On peut tolérer un enfant que cela arrive, monsieur Eric Fopoussi. Qu'on ait une fille qui ait fait un enfant à la maison, ça peut se tolérer avec la conjoncture actuelle, pendant que les deux se donnent la possibilité de pouvoir épargner de l'argent pour pouvoir organiser les choses comme elles devraient le faire, c'est acceptable. Mais
Vous allez vous rendre compte que lorsque vous parcourez certaines aires culturelles, beaucoup de filles sont à la maison. Beaucoup de filles se retrouvent à avoir foi à des enfants avec qui trois pères différents, qui quatre pères différents, qui cinq pères différents. Elles se retrouvent à mener cette vie. Pourquoi? C'est parce la faute de la dot. Parce que les gars ont essayé de venir demander la main. On a taxé des montants que les gars n'avaient pas. Vous avez aujourd'hui, comment vous appelez ça, le SMIC qui a 36 500 poussières. Oui, 36 260. Vous avez des pousseurs, vous avez des gars qui se débrouillent à faire le pouce, vous avez des gars qui se débrouillent à faire le benchikin, vous avez des gars qui sont des manœuvres, vous avez des gars, le niveau social ne permet pas à un gars aujourd'hui de prétexter, s'engager même. Monsieur Eric Faupoussi a allé doter une femme à plus d'un million. Je dis le système aujourd'hui, à moins que ce soit des individus qui ont un salaire assez consistant ou qui ont ce qu'on appelle au quartier des tabataba, double activité. La dot en elle-même, monsieur Eric Faupoussi, c'était un test. C'était un test, monsieur Eric. Je reviens là-dessus. C'était un test. Une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve. Quand vous allez chez les pygmées. Absolument. Quand vous allez chez les pygmées, jusqu'à aujourd'hui, monsieur Eric Faupoussi, lorsque vous allez demander la main d'une fille chez les pygmées, le père exige que sa fille, par votre entremise, lui ramène les moustaches d'un sanglier. Vous savez que c'est difficile d'attraper le sanglier. Il faut être extrêmement rusé pour attraper le sanglier. Même les pièges, monsieur Eric Faupoussi, le sanglier ne tombe pas. Raison pour laquelle les amateurs de viande de bouche, ceux qui aiment les viandes de bouche, lorsque vous passez au marché, on dit voici la viande de sanglier, c'est la première marmite qui finit avant la viande de vipère. Parce que le sanglier est rare. C'est la moustache. Vous avez dans une autre ère, notre ère culturelle, lorsque vous allez, la maman ou le père dit, ok, j'ai une plantation de 3 hectares, va me cultiver cette plantation. Tu dois te battre à me livrer cette plantation, à planter. D'un côté, tu fais les arachides, de l'autre, tu fais le manioc. C'est au gars de mettre en place ses méthodes et ses atouts pour pouvoir faire le champ de son père ou de son grand-père. Voilà des tests qui étaient mis. Et le gars devait passer le test. Les Allemands sont arrivés, M. Eric Faupoussi. Les Français sont venus avec tout ce qu'ils ont appelé, amené dans leur bagage comme loi, comme ceci, en disant non, on doit donner substantiellement quelque chose. C'est passé à la dot. La dot maintenant, d'autres ont pris pour faire leur fonds de commerce. Ils savent que derrière la dot, quand je fixe une dot à 5 millions, ça me permet d'ouvrir un bar, ça me permet d'acheter un taxi, ça me permet d'acheter un terrain parce que je suis en location pour construire. Beaucoup se projettent derrière leurs enfants. Ah bon, ça existe, mais ça? Mais monsieur Eric Faupoussi, non. Je vous prends cet exemple simplement sur la rue. Sur la rue, non, Chalamet, je vous pose la question. Je vous ça existe? Non, ça existe les je vous dis un cas ici. Où on paye en l'espèce sonnante et trébuchante. Mais c'est ça. Oui, c'est la famille. Non, mais il me semble qu'on fait des... Non. Non. Là, ça change complètement le cours du débat. Parce que moi, je pensais que si on dit 1 million, c'est que la liste qu'on vous a donnée... Il y a une enveloppe. L'enveloppe n'est pas à la dot. Il me semble que dans cette liste-là, il y a l'enveloppe de la mère, il y a l'enveloppe du père, il y a l'enveloppe de la mère. Maintenant, est-ce que justement... Quand vous dites ça, c'est que globalement, on vous demande tel montant. Dans voilà ce qu'on a. L'histoire vous dit que le père a dit 1 million. Donc, c'est l'enveloppe. Dans les 1 million, oui. Il n'y a pas de. Je veux dire, non. Que, non, il n'y a pas de poids long châssis. La famille, il y a pas de poids long châssis. Là, il arrive que les familles disent que, bon, comme on ne veut pas attirer le regard des gens, oui. Vous venez avec l'enveloppe et on sait comment on va partager aux membres de la famille. Donc maintenant, là, c'est à la famille d'en décider. Donc, C'est ce que je voulais vous dire. Il y a des familles qui décident, comme a dit Dominique Audrey, on demande que vous remettez l'argent en espèces. Oui. Hein, vous remettez à l'immédiat. Il y a d'autres familles maintenant, les deux côtés des familles, c'est-à-dire côté paternel et côté maternel de la fille, qui établissent la liste. C'est la liste qui est calculée. Font, M. Eric Faupoussi, le total de ce qu'on vous livre à ce moment. Oui. Donc, vous allez donc vous rendre compte que beaucoup de filles se retrouvent attimées. Je suis content que cette fille veuille assumer son destin, M. Eric Faupoussi. Je suis content que cette fille veuille assumer. Pourquoi? Pour la simple raison, M. Eric Faupoussi, que cette fille qui décide d'assumer son destin, je n'ai pas dit que je l'encourage à assumer. Parce que je vois Karine. Elle prend des notes. Je n'ai pas dit que je l'autorise. J'ai dit que je suis content qu'elle veuille assumer son destin.
pour assumer dans son destin, elle aura besoin de prendre appui sur le ventre maternel, parce que c'est le ventre maternel qui accompagne la fille en mariage, monsieur Eric Fopoussi. C'est le ventre maternel qui accompagne, et à titre symbolique, on remet quelque chose au père. Contrairement au garçon, où le père a le droit et la latitude de se prononcer. J'ai bien précisé. Donc voilà pourquoi, quand je voyais Karine écrire, je disais, elle est en train de vouloir nous perdre. Donc, dans cette situation, il n'y a pas deux choses à faire, monsieur Eric Fopoussi. Le père s'est opposé. Le père ne prend pas la dot de sa fille, ce n'est pas lui qui prendra la dot de sa fille, c'est un oncle, c'est un frère. Le père n'est là que pour donner, ok, je suis d'accord, c'est le frère de la famille. Ce que la fille gagnera à faire, c'est aller négocier avec les membres de sa famille, discuter avec les membres de sa famille paternelle, avoir leur quitus, rentrer prendre appui chez la maman, parce que la fille connaît son gars. Si ça avait été que la fille était contre le gars, ça aurait posé. La fille connaît son gars. Elle sait que le gars est un débrouillard. Elle sait que le gars n'a pas. Parce qu'il faut faire la part même des choses. Même si le gars n'est pas un débrouillard, ça ne veut pas. Ça nous fait pas la porte. Lorsque vous voyez une femme, prendre les devants pour discuter, ça suppose que cette fille connaît les réalités que traverse son gars. Elle connaît ce que endure son gars. Devant les gens, elle ne dit rien, mais derrière, elle procède à ce qu'on appelle la négociation. D'accord. Alors, il me semble que dans votre suite, vraiment, ça n'a rien que personne ne fasse un procès d'intention. Après ce que je veux dire, il me semble que l'archevêque métropolitain de Yaoundé en son temps avait justement évoqué cette question et dans ce qu'il combattait, le vivre ensemble, le vient en reste, il estimait que les dots abusives, les dots trop exorbitantes créaient le phénomène de vient en reste. Et qu'il trouvait, il demandait donc à ces chrétiens de Yaoundé là de faire en sorte que, évidemment, il y ait une réduction de la brise Kamga. Oui, effectivement, cette homélie-là date de 2018. Monseigneur Jean Baga, effectivement, dans l'une de ses prêches, avait indiqué que la généralisation des unions libres a pour cause, entre autres, les dots abusives. C'était à l'archidiocèse de Yaoundé à l'époque. Alors effectivement, il y a un contexte qu'il faut d'abord, je pense, indiquer, c'est la précarité générale dans laquelle la société camerounaise évolue. En raison de cette précarité générale, beaucoup de familles, en tout cas un bon nombre, estiment que les dots sont des occasions de tirer d'importantes sources de revenus. Sauf que au contact de la réalité, il faut décider entre placer une fille comme une marchandise et donner une fille en mariage avec toute l'élégance que cela comporte, bénir cette relation-là en sorte que les deux partenaires puissent évoluer de façon sereine. Si le garçon, l'homme, perçoit le mariage, la dot, comme étant une occasion d'enrichissement pour la belle famille de la femme, évidemment que ça pose un problème. On a essayé de réglementer à travers l'article 357 du code électoral que vous avez indiqué. Du code pénal. Voilà, du code pénal, élection oblige. Que vous avez indiqué tout à l'heure. Ouais. Mais il semble qu'il y a eu quand même une incohérence dans la prise de cette mesure, parce que si on permet à un homme de poursuivre sa belle famille, il semble que quand même c'est quand même incohérent. Mais il y a une réglementation qu'il faut faire. Bon, maintenant, il y a des précisions également qu'il faut faire. Il y a beaucoup de lois comme ça qu'on prend manifestement à l'emporte-pièce, parce que si on veut réglementer, il faut également tenir compte d'un certain nombre de réalités. Comment est-ce que, à partir de quel moment est-ce qu'on estime qu'une dot est abusive? Ça, c'est également des précisions qu'il faut apporter sur cette loi pour qu'elle soit efficace. Tout à fait. Karine, sur l'histoire de ce matin, quelle est votre posture? Quelle est votre position? Bon, déjà, pour commencer, cette dot n'est pas abusive. Vraiment pas du tout. Vous êtes sans appel? Non, cette dot n'est pas abusive. Donc, elle n'a rien à voir avec la loi du Cameroun. Vraiment pas du tout. Donc, pour vous, 1 million, c'est... Elle n'est pas abusive, cette dot. C'est vraiment menu, pas du tout. Pour vous, c'est pas une affaire. Non, ce n'est pas une affaire de menu fretin. Oui. On ne part pas demander une femme avec 50 francs dans la poche, monsieur Fopoussi. C'est pas comme ça qu'on parle. Non, c'est pas comme ça qu'on parle. Non, pas droit aux femmes. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça que je dis. Non, ils sont ensemble depuis 2 ans. Oui. Il connaît la culture de la personne qu'il veut épouser. Donc il sait comment ça se passe. Qu'ils ne viennent pas nous rabâcher les oreilles avec les histoires en n'en plus fini. Qu'il arrête ça. Vous êtes un peu dur. Non. Il a commencé une histoire qu'il finisse.
Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il a quand même négocié et on est descendu à un niveau. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que le père refuse l'avance. Mais entrer dans les lois d'eau abusive, ça n'a rien à voir avec une d'eau abusive. Vous, dit, vous, rien à voir. C'est un curseur pour ne pas qui voir définit, que c'est abusif. Monsieur Mathieu, quand vous parliez, je ne vous ai pas coupé. Qui définit le caractère abusif? C'est moi qui parle. Et j'ai dit que la dot n'est pas abusive. Donc tout ce que vous dites là, vous allez le dire à votre tour. Par rapport à ce qui se passe dans cette histoire, on voit un garçon qui pense que comme il est arrivé dans une famille où il y a 10 filles... C'est ça les occidentalisés. Monsieur Mathieu, excusez-moi. Excusez-moi si vous êtes heurté. Excusez-moi si vous êtes heurté. Mais ça, c'est mon point de vue. J'aimerais que vous me laissiez aussi terminer. Par rapport à l'histoire du jour, ça c'est un garçon qui arrive dans une famille où il y a 10 filles. Certaines ont fait des enfants à la maison. Il pense qu'il est le messie. Vraiment, il pense que lui, là, vraiment, ce papa a mal élevé ses filles. Donc, comme j'arrive là, je suis Dieu. Il doit m'avoir la chance que je prenne même d'abord sa fille, là, sans avoir toutes les prostituées et tout. D'abord, il doit me donner ça gratuit. Je l'aide. Je l'aide seulement. Il va faire quoi avec toutes ces filles-là? Il faut en... dit, hein? Non, il faut enlever ça dans vous sa tête, lui. C'est lui qui dit dans l'histoire. On arrive. Mais c'est autre chose. Elle a voulu nous amener. C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais. Non, monsieur, il faut poursuivre. C'est l'histoire du jour. Ça, c'est l'histoire du jour. Aloïs nous a dit que dans la famille, il y a 10 filles. C'est la fille qui a dit, c'est pas Aloïs. Qui a raconté l'histoire? C'est la fille qui a dit. C'est la fille qui a dit. La fille qui raconte l'histoire. Qui a dit que nous avons 10 filles. Et tu dis, il y a trois qui sont mariés. Vous jetez tout sur Aloïs maintenant. Non. Oui. Franchement. Oui. C'est Johanna. Je dis, je continue. C'est Johanna. Et je dis, je ne m'arrête pas. Elle a un joli prénom. Je continue de jeter tout sur Aloïs. Oui. Pourquoi? Parce que si vous avez une femme qui accepte de vous épouser. Oui. Ce n'est pas sa famille qui vous intéresse. Ce n'est pas le nombre de sœurs qu'elle a qui vous intéresse. Si la fille réussit à nous dire dans cette histoire qu'elle a 10 sœurs, certaines sont mariées, ça veut dire qu'elle a fini par introduire le mépris pour sa famille chez son gars. Elle a fini par introduire le mépris pour sa famille. Donc, chez son intégrer fiancé. Ce que son, intégrer ce que son gars pense de sa famille. Mince. Donc, elle prend les points de vue de son gars et pas mettre dans... je suis vraiment... Ça vous désole. Je suis un peu trivial dans ce que je vais dire, mais cette fille, elle me répugne. D'accord. Je suis très désolée pour elle de venir devant son gars. Moi, je pense que ce sont les choses qu'elle dit à son, ami, à son fiancé. Elle désonore son père, vraiment, en tout tu cas. Tu vois, on est d'abord dit, il ne veut même pas rester là-bas. Il faut que je saute. La maison m'énerve déjà. Machin. C'est pas des choses qu'on dit. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Non, Donald, excusez-moi. Oui. Je pense que Johanna est dans une situation assez complexe, mais elle doit prendre au moins la bénédiction des parents. Je suis tout à fait d'accord, mais elle doit également amener ses parents à comprendre que elle n'est pas un fonds de commerce, elle n'est pas une marchandise qu'on place en vente. Ça c'est très important. Ce n'est pas pour elle. Un autre élément. Je ne peux rien vous refuser. Un autre élément. Vous avez des petites précisions. Un autre élément. Oui, je termine. Un autre élément, c'est celui qui donne la dot. C'est celui qui donne la dot qui estime qu'elle est abusive ou pas. Évidemment que si j'ai 1 million de salaire par mois, ça me dit bien. Je ne peux pas estimer qu'une dot de 200 millions, de 200 000 francs CFA. Tu peux te plaindre à ton beau-père, mais celui qui touche, le SMIC. Mais celui qui touche le SMIC, celui qui est poussé au marché central de Douala et qui, par jour, a 1 500 avec ses activités, si vous lui demandez de payer une dot de 500 000 francs CFA, il va penser que vous lui demandez de lui donner, de cueillir la lune. De cueillir la lune pour cette famille-là. Donc, vraiment, il faut faire attention. D'accord. En fonction de lui, monsieur. D'accord. Je vais chuter là. Ce papa ne donne pas la dot en fonction de lui. Il y a des frères derrière lui, il y a des sœurs derrière lui. Tout le monde attend ça. Ok, c'est compris. Alors, Dominique Audrey. Allez-y, c'est vous qui avez commencé. Hein. Oui. Pour moi, au départ, je dirais que 2 ans pour se marier, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'on ne prend, on n'a pas pris le temps de se préparer. Le mariage, ça se prépare. 2,5 millions. Bon, relativement, c'est beaucoup. 200 000 pour le toquer à la porte, bon, ça dépend, hein, parce que chez nous, c'est un peu plus. C'est un peu plus parce que chez les bananes, 200 000, c'est juste que les parents valident le mariage. Donc maintenant, il y a autre chose qu'il faut ajouter au-dessus des 200 000. Donc, c'est autre chose, là, c'est moi. Chèvre. Je peux chèvre. Oui, bah, allez-y, oui. Chèvre, riz, bagne pour la mère, vin rouge, viande, 10 kilos de viande de bœuf. Bon, ça, maintenant, ça dépend du beau, hein, ils discutent. Je dis, ça ne diffère pas d'un Camerounais à un autre. Ça veut dire que tout le monde doit être soumis
à cette règle. Non, chez qui viennent chez vous. Oui, si vous voulez venir chez moi, vous préparez d'abord. Le cultivateur qui réside dans la zone de l'île, il doit toujours vous donner 400 000, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, l'enveloppe des parents, ça ne se discute pas. Donc, comme je disais, 2 ans, c'est trop tôt. Aloïse s'est précipité. En 2 ans, pour moi, on ne connaît pas suffisamment la personne pour se lancer dans ce genre d'engagement. Non, mais ça encore là. Yeah. Oh. Ça, c'est mon avis. J'estime que justement, si on veut épouser une femme, en 2 ans, on ne peut pas se préparer. Je suis d'accord. Est-ce que vous savez que vous pouvez venir voir mes parents? Mes parents vous disent que pour la dot de ma fille, donnez-moi 200 000. Même si à la base, on peut vous demander 4 millions. Ça dépend de comment est-ce que le beau-fils vient. Aloïse, on lui a demandé 2 millions et demi. On a fait le rabais à 1 million, mais il a trouvé quand même la force de se plaindre et de trouver que c'était trop. Donc, justement, face à ça, le père de Johanna estime que si je prends les 500 000, rien ne me garantit qu'il va venir donner le reste. Donc, maintenant, Johanna, moi, je suis de ceux qui disent qu'on fait des gaffes hein, et après, on arrange. Tu vois avec ta mère. Si ta mère te soutient dans ton mariage, tu vas. Maintenant, c'est elle qui va convaincre son mari. D'accord. Ok. Ok. Non, c'est terminé. Merci. Non, Donald. Disons, posons-nous une question. Bravo, Dominique. Si en 2019, je ne vous reconnais pas. Si en 2019, monsieur Fofoussi, on disait qu'il n'y a plus de dot au Cameroun, ça dénaturerait tous les mariages. Il n'y aurait plus de mariages. Non. Ça dénature. Donc, le fait que les gens ont dénaturé les dots peut également amener la société à dire on met fin à cette affaire. Et puis l'occasion des mariages, on se retrouve. C'était symbolique à l'époque. Charles Amel l'a expliqué à l'entame de son propos. On peut se retrouver comme lors d'un anniversaire, lors d'un événement simple. On fait une petite fête entre les deux familles et puis les deux personnes se mettent ensemble. D'accord, très bien, merci. On voit très bien ce que les féministes pensent ce matin. Alors, on va, madame, messieurs, s'arrêter là pour ce matin. Oui, petite pique à vous, Karine Sotia. C'est quand même paradoxe quand même, d'être féministe et penser comme vous ce matin. Non, il doit douter. Madame, monsieur, on va prendre tout de suite la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de la pose des premières pierres dans ce pays. On aime trop poser les premières pierres au Cameroun. On aime trop les inaugurations avec les papas de 15. Les dirigeants camerounais adorent la pose des premières pierres dans ce pays. Comment comprendre que toutes ces sommes d'argent dépensées pour la pose des premières pierres soient véritablement dilapidées, consommées dans des futilités, alors que les projets ne prendront jamais corps? Comment comprendre cette sale façon de faire valider des projets morts-nés dans ce pays? En 2011 et 2017, il y a eu le lancement de plusieurs projets du septennat, des projets d'usines de transformation dans le domaine de l'agro-industrie qui seront initiés des années après. Nous pouvons dresser un bilan complètement négatif. Savez-vous qu'il y a 5 ans, les autorités de ce pays déposaient 6 parpaings à Yabassi devant les autochtones en joie pour la construction d'une usine qui devrait servir à abattre et nettoyer les poulets. 5 ans plus tard, le 7e parpaing n'a pas été ajouté et 600 millions se sont volatilisés. 600 millions de francs CFA qui avaient été remis à la promotrice du projet pour cette usine de transformation de poulet à Yabassi. Savez-vous que tous ces projets ont connu des poses de premières pierres qui n'ont été construites et livrées que sur du papier? Prenons la peine de faire un rappel de tous ces projets financés et dont les descentes sur le terrain et poses de premières pierres ont largement été effectuées.
pose de la première pierre pour la construction d'usines de fabrication de consommables pour hôpitaux après transformation de 40% du coton camerounais. 1 milliard dans l'eau. Pose de la première pierre pour la construction de l'usine de poulet de Bafang. Plus d'un demi-milliard, projet dans l'eau. Pose de la première pierre pour la construction de l'usine de manioc de Sangmélima. Projet money. Pose de la première pierre pour la construction d'usine de riz de Galim. Près d'un demi-milliard, projet abandonné malgré le financement et l'inauguration de la pose de la première pierre pompeusement effectuée. Pose de la première pierre pour la construction d'une usine de pommes de terre de Babadjou et à Koumbo. 1 milliard débloqué, les usines n'ont jamais été pensées sur le terrain. Pose la première pierre pour la construction de l'usine de poulet de Bomonon. Plus d'1 milliard de dépenses, l'usine est abandonnée. Pose la première pierre pour la construction de l'usine de mangue de Gaoundéré. Plus d'1 milliard débloqué, jamais rien sur le terrain. Pose la première pierre pour la construction de l'usine de transformation d'ananas de Loé. Près d'1 demi-milliard, une vieille brouette trône sur le site. Pose la première pierre pour la construction d'une usine d'avocats de Bouda. Des centaines de millions de caissés, une élite en tête pour ce projet, jamais le projet n'a vu le jour. Pose la première pierre pour la construction d'une usine de spécialisation en termes de jus de fruits naturels. 1 demi-milliard développé, c'était dans la zone de Sahara. Jamais le projet n'a vu le jour. Et les mêmes ont envisagé de mettre 1 milliard dans un projet d'usine en Zeng qui a eu sa pose de sa première pierre en 2017. On a dit là-bas que le complexe industriel de Zeng ambitionnera produire 300 000 poulets de chair chaque année, ainsi que 10 800 alvéoles d'œufs. Qu'allons-nous dire de la SPAC, inaugurée en 2011 en grande pompe par Louis-Paul Motazé sur invitation de Christophe Quéquin, qui a ouvert ses portes dans la période de 2 fêtes annuelles pour les fermer en 2013, faute de matières premières, c'est-à-dire de poulets à abattre. Pourtant, on nous parlait d'une chaîne d'abattage de 3 000 poulets par heure. Mensonge quand tu nous tiens. Que dire de l'usine de tracteurs de Bolova? Inutile, un prêt de 18 milliards jeté dans la broussaille. Une grande partie du matériel importé pour le montage jeté à cause de la rouille, morné du fait d'une étroite complicité incestueuse entre les fonctionnaires de l'administration publique, les promoteurs privés sous le regard complice des autorités traditionnelles. Eh bien, préparons-nous bientôt à l'inauguration ou à la pose de la première pierre de l'usine. Non, pas de l'usine à fabrication des détourneurs, non. De la future prison qui se trouve quelque part vers Japoma. Voilà. La question de cette pose de première pierre au Cameroun, qui est le thème central de votre chronique ce matin, pose un problème ou des problèmes multiples. On voit très bien que le Cameroun, en matière de pose de première pierre, occupe un classement très élevé, d'ailleurs, un classement très haut, parce que ce sont des cérémonies très fastueuse, avec beaucoup de tam-tam, de you-you, de cris, mais aussi un budget conséquent, parce que chaque pose de première pierre obéit à une fête, à des festivités, à des célébrations, et vous imaginez le montant qui est décaissé pour juste la cérémonie de cette pose de première pierre. Donc, premier élément, c'est budgétivore, poser les premières pierres. Le deuxième élément serait de poser également le problème de la réalisation des différents travaux qui sont menés au Cameroun. On voit que certains, d'ailleurs, mettent un temps interminable. Il y a beaucoup de temps entre le moment où on lance les travaux et le moment où le chantier est livré. Donc, ça pose
ce problème de lenteur des travaux ou bien de l'inexistence des travaux. Ce qui va conduire au troisième élément qui est celui du détournement des deniers publics, de ceux qui détournent l'argent de projet. Vous verrez aujourd'hui des gens qui n'ont rien foutu pendant 5 ans, se rendent dans les quartiers aujourd'hui avec des caterpillars, essayer de rembler les trous, de faire quelques petits travaux parce qu'ils savent que l'élection arrive. Les municipales, c'est pour le 9 février 2020. Donc, vous les voyez un peu s'affairer dans les quartiers un peu partout au Cameroun pour se rappeler qu'ils ont des électeurs qui sont chargés de sanctionner leur politique. Donc, voilà, on va dire un peu ramasser les problèmes posés par cette thématique pose de première pierre. Alors, Donald Brice-Kamgan, quels sont les axes que suscite en vous cette pose de première pierre un peu trop ronflant au Cameroun? Il y a une étude qui a été menée par la Banque mondiale en fin 2018 et qui révèle que au Cameroun, la moyenne de réalisation de certains grands chantiers est généralement au-delà de la moyenne africaine, notamment pour ce qui est des chantiers routiers et d'autres grands travaux. Il y a une question même de surfacturation lorsque ces projets-là sont réalisés. Parfois, sont réalisés sans étude de faisabilité correctement menée, parfois dans des zones où on n'a pas du tout besoin de ce type de projet. Donc, ce qui fait qu'on pose une première pierre. On se rend compte après par la suite que le projet n'est pas du tout adapté, impossible à réaliser, soit impossible à réaliser, soit ne sera pas d'une utilité décisive pour les populations qui vivent dans ces zones. On construit aujourd'hui des lycées techniques à travers le Cameroun. On attend toujours de voir un CETIC, une école digne de ce nom dans la transformation locale du bois. Je parlais tout à l'heure de l'exportation des grumes à l'entame de cette émission. Le Cameroun perd 60 milliards de francs CFA par an parce que il exporte de façon illégale d'ailleurs son bois vers l'extérieur. Et lorsqu'on parle d'exportation illégale du bois, on pense notamment à la région de l'Est où parfois les élèves sont assis à même le sol pour faire cours. Donc, c'est oui, mais sauf que l'argent est décaissé. Sauf qu'on se rend compte que c'est quand on pose une première pierre, l'argent a été bien décaissé. Si vous allez sur la ligne budgétaire du budget d'investissement public, vous verrez que l'argent a été décaissé, consommé. Alors que le projet n'a pas été réalisé. On se dit, mais d'accord, c'est bien gentil de décider que tel projet ou telle construction ne va pas servir aux populations, mais c'est aussi mieux de dire que bon, l'argent qui est décaissé va rentrer dans les caisses de l'État pour servir à autre chose. Malheureusement, où va cet argent? Là, ce sont des questions évidemment de gouvernance. Tout cela est lié. Il y a des grands chantiers qui ont été lancés dans le cadre, par exemple, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, il est difficile de faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. En tout état de cause, nous sommes en période électorale. Il n'est pas exclu que d'autres cérémonies bien arrosées de pose de première pierre sur juste taille-là. D'accord. En tout cas, on a commencé à en voir quelques prémices de cela, puisque, comme je vous l'ai dit il y a un instant, dans les quartiers, dans certains quartiers, ça commence à bouger. On voit des engins, des caterpillars qui sillonnent les quartiers pour essayer un tout petit peu de racler la route, comme on peut le dire trivialement. On voit très bien qu'il y a une opération de charme, opération séduction pour ces électeurs qui vont être appelés aux urnes le 9 février 2020 pour les municipales et législatives. Alors, Dominique Audrey, sur cette question de pose de première pierre, le constat que fait Charles Abel ce matin, il est clair. Il estime qu'il y a trop de poses de première pierre et que la livraison des chantiers ne sont pas au même niveau que le nombre de poses de première pierre. Ça veut dire que si on part en ligne de départ avec 10 projets où on a posé les premières pierres, à l'arrivée, après 100 mètres, vous verrez qu'il y a un ou deux seulement qui sont arrivés à exécution. Ça pose pour lui un réel problème dans ce pays, parce qu'on voit très bien qu'il y a une consommation du budget. Oui, ça ne pose pas seulement un problème pour lui, ça pose un problème pour tout le Cameroun, parce que en fait, on finit par se dire qu'on n'a pas d'industrie, et qui dit qu'on n'a pas d'industrie, dit forcément qu'on n'a pas d'avenir, parce que industrie égale forcément emploi pour les jeunes. Moi, il y a une fois, je parlais à quelqu'un, la personne me disait, si seulement en prenant, on ne peut pas empêcher que les gens volent.
Ça, vraiment, on ne peut pas empêcher que les gens détournent de l'argent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas réaliser le projet et prendre pour vous? Parce que si au moins on avait les usines de poulet, les usines de jus, les usines de bâtons, si on avait ça, on ne serait pas regardant sur ce qui a été détourné. Parce que de quelque façon que ce soit, on a toujours une sorte de rémunération pour un travail qu'on fait à tous les niveaux de la chaîne. Si au moins on avait ça, on ne serait pas en train de se plaindre tous les jours. Monsieur Mbatchou a cité énormément d'entreprises qui n'ont jamais vu le jour, en fait, qui sont mort-nées. On a parlé des poulets, des ananas, des bâtons. Il y a d'autres que moi j'ai découvert ici. Moi je ne savais pas qu'il y avait une usine de mangue qu'on devait mettre sur pied en Ngaoundéré. Moi je ne savais pas. Pose de première pierre. Pose de première pierre. Pourquoi il n'y a pas des commissions de contrôle? Parce que les commissions c'est seulement quand il y a quand on a un truc, il y a des gens qui meurent ou bien quand il y a une nouvelle décision. Là on entend qu'on va mettre sur pied une commission qui va aller contrôler. Pourquoi il n'y a pas un service après? Bon, pas service après-vente. Pourquoi il n'y a pas des gens qui sont censés contrôler l'effectivité des chantiers? Pourquoi? C'est une question pertinente. Je veux savoir, qui octroie les marchés? Les marchés publics, c'est ça? Et qui est au-dessus de la personne qui... Parce qu'il faut peut-être savoir, ça veut dire que la personne qui demande de faire construire l'usine a démissionné. Ne fait pas son travail. Il ne s'assure pas que la personne à qui il a demandé d'exécuter un ordre n'est. C'est un peu comme si vous, un parent, vous dites à votre femme, va inscrire l'enfant, tu ne cherches pas à avoir les reçus. Tu ne cherches pas à savoir si l'enfant va effectivement à l'école. Donc chacun doit jouer son rôle. Chacun doit aller à sa place. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens, faites ceci, allez au champ, cultiver, machin. On va cultiver, on met ça en application. Où? D'accord. Où? Oui. D'ailleurs, il faut bien s'interroger. Est-ce que lorsque vous avez des cérémonies aussi frappantes, aussi bruyantes, comme on le voit, de pose de première pierre, est-ce que dans l'esprit de ceux qui conçoivent ces projets-là, ils ont vraiment envie de construire ce qu'ils promettent de construire, ou ce sont des propagandes électoralistes, ou simplement, comme je l'ai dit il y a un instant, et que Charles Hamel d'ailleurs, je l'ai dit à la suite de Charles Hamel, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est un moyen de voir dans quelle mesure on peut avoir un peu d'argent, parce que il me souvient qu'on a fait une colère ici sur la culture numérique, et je me suis dit, bon oui, dans ce pays, il y a des génies, des super génies, qui restent dans leur bureau, ils imaginent qu'est-ce qu'on peut faire pour faire décaisser, pour décaisser un peu d'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ils imaginent un projet, des avocats, de mangue, de poulet, tout ce que vous imaginez. Et comme c'est très frappant et comme c'est bon, on signe rapidement, on décaisse l'argent et le bonhomme, lui, rapidement, il prend la peau d'escampette. Et comme il sait que c'est le Cameroun et que personne ne va venir demander si oui ou non il a réalisé le projet ou pas, c'est comme ça, le laxisme, les lenteurs administratives, le sommeillistant dans lequel nous sommes, faire en sorte que voilà, on fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, personne ne s'en plaint. Et justement, ce qui est encore plus grave, c'est que si le monsieur, il est, je ne sais pas, dans un comité central, je ne sais pas de quel parti politique, là encore, il sait que, bon, rapidement, avec un soutien multiforme, avec une tenue de parti, avec un meeting, avec une présence, avec une présence effective sur le terrain pour la campagne, on va peut-être fermer les yeux sur ce qu'il fait. Donc, c'est un vrai problème, il faut résoudre ça. Karine. Monsieur Fopoussi, on ne voit pas, on ne peut pas juger un maçon au pied du mur dorénavant au Cameroun. Ce n'est plus cette maxime-là qui marche. On doit juger le maçon le jour où il vous remet la clé de votre maison. C'est le jour-là que vous confirmez que votre maison a été faite. Parce que dans notre pays, on est des champions en projets, en gros projets qui englobent tout. Et voilà la pose de la première pierre du stade d'Olembe qui jusqu'aujourd'hui a connu toutes les manifestations que vous connaissez aujourd'hui. Les grèves des employés, les contrats qui sont questionnés et ainsi de suite. Mais jusque-là, le stade n'est pas toujours fini jusqu'aujourd'hui. C'est un problème de budget. À un moment donné quand même, je pense que le budget du Cameroun est beaucoup trop par rapport à ce qu'il faut réaliser. Raison pour laquelle il faut créer des projets pareils pour essayer de consommer un peu le budget avant qu'il ne finisse.
Vous voyez, dans notre pays où les maires et autres n'attendent que l'approche des campagnes pour commencer à réaliser des petits bitumes entre les quartiers, vous voyez que là-bas, on n'a pas eu besoin de pose de première pierre parce que c'est la période électorale. Il faut faire campagne, il faut monter qu'on travaille. Mais le moment où il faut vraiment travailler, on ne travaille pas. On organise une grosse séance de pose de première pierre avec des you-you, des campagnes, des balafons et tout. Des choses qui peuvent même rester silencieuses et nous permettre à nous, citoyens, de découvrir la réalisation. Depuis qu'on nous a parlé de la pose de la première pierre de l'Institut National des Statistiques, c'est bien si vous allez à Yaoundé, vous allez découvrir, monsieur Mbatchou. Aujourd'hui, dans notre pays, lorsqu'on nous dit que pose la première pierre, chacun fait tout pour arriver là-bas et avoir son plat. Chacun fait tout pour avoir ce qu'il peut manger parce que à la fin, la pierre peut rester là, les parpaings peuvent rester sur place, le ciment peut rester sur place. Après, on va venir même porter et partir avec. D'accord. Alors, Chalamel, évidemment, vous décrivez une situation extrêmement grave, une situation gravissime de ces poses de première pierre au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, je vais aller avec le concours de la régie, vous présenter les parpaings dont je vous parlais à Yabassi. Si, oui, les parpaings, si la régie peut nous montrer ce qui reste des parpaings abandonnés. Voilà ça, monsieur Eric Fopoussi. Voilà l'usine de Yabassi. Non. Donc voilà l'usine de Yabassi. Vous n'avez pas la pose de la première pierre. Voilà la pose de la première pierre à Yabassi. C'est toujours là, 600 millions. 600 millions pour cette pose de la première pierre. Et on est en train de travailler, rassurez-vous. Toujours avec la régie. On part à Bafang. Je vais vous montrer la SPAC de Bafang, là où on devait faire 3000 poulets l'heure. Donc avec la régie, toujours. Toujours à Bafang, là. On va voir. Voilà. Non, c'est pas. C'est la SPAC. Voilà, voilà la SPAC. Là, on devait tuer 3000 poulets l'heure. Vous-même, pourquoi vous regardez ça? C'est le faux, monsieur, il faut pousser. 3000 poulets. C'est ça. Est-ce que Bafang est une zone où on élève le poulet? Vraiment, c'est la première question. Quand on veut tromper même un enfant, monsieur, il faut pousser. Donnons-lui les choses sucrées. Bafang est une zone, le Haut-Cam est une zone réputée pour l'élevage de poulets. Vous allez élever où? À Fotouni, Fodjemankouet, Babonet, où? Vous allez élever où? Vous allez même dans la zone de Babonet, monsieur Rifopoussi. Les chèvres, même pas l'élevage, même ne donne pas dans cette zone. Mais on vient quand même nous dire que Bafang, on va nous faire une usine où on va sortir 3000 poulets, monsieur Rifopoussi. C'est un mensonge bien nettoyé. C'est un diplomate qui disait, monsieur Rifopoussi, lors d'une cérémonie très officielle, qui se confie en offre et qui disait, il faut faire attention lorsque vous venez au Cameroun. Si un Camerounais vous dit que vous construisez une maison, ne regardez pas la maison, regardez ce qui est derrière la maison, monsieur Rifopoussi. Je vais vous dire donc trivialement que l'ensemble de ces projets, ces prêts d'argent qui étaient faits, étaient loin de la réalisation. Oui, il fallait convaincre les partenaires internationaux, les investisseurs que vous pouvez venir au Cameroun. Il y a les potentialités, il y a ceci. Voici l'espace qui vous est donné. On peut faire ci, on peut faire ça. Donnez-nous un peu d'argent, démarre en attendant que vous arriviez. On fait ce que vous avez vu avec les premières pierres, on signe des contrats. Vous vous êtes rendu compte qu'à une certaine période, entre 2009, monsieur, il faut pousser 2018, c'était tous les reportages de télé. Signature d'une convention de partenariat, signature d'un partenariat avec... C'est où? Allez fouiller. Il y en a, ça n'existe pas, monsieur, il faut pousser. Oui. C'est monné, tout simplement parce que des gens ont d'autres préoccupations, des préoccupations plus importantes. J'accuse là, monsieur, il faut pousser les différents chefs. Parce que à l'inauguration de ces six papas, on a fait venir tous les chefs de canton qui chacun ont reçu 250 000 francs CFA en termes de carburant. Oui, ils ont aussi mangé. N'accusons pas seulement les hommes de l'État, monsieur Rifopoussi. N'accusons pas seulement ces gars, ces promoteurs. Il y a les chefs de village. Quand on les convoque, on dit oui, on va inaugurer. Ça sera bien pour vous. Ils disent applaudissez. C'est eux-mêmes qui disent à la population applaudissez parce qu'ils ont déjà perçu. D'ailleurs, ils vont manger, ils font bombance, monsieur. D'ailleurs, il faut saluer ici le travail de contrôle du chef supérieur Baleng dans la MIFI pour la route. Par rapport à la route, oui, parce qu'il allait lui-même vérifier si ça a été fait. Oui. Donc, oui, beaucoup de chefs devraient faire aussi. Je lui tire devraient le faire aussi. Et c'est la raison pour laquelle je dis, monsieur, c'est possible. Sa Majesté Fonengou 2, voilà. C'est important de le dire. C'est ça, une consonance avec votre nom, Lego. Voilà. Oui. C'est juste pour vous piquer aussi. Oui, merci. Il dit que la majeure partie des chefs donc, sont complices et se rendent complices de cela. Allez du côté de l'Est Cameroun, vous allez vous rendre compte que c'est pareil. On visite les chefs de nuit, ils rassemblent les gens, le matin on vient à l'inauguration, et que dire? 10,
15, 20 ans aujourd'hui, la population de Yabasi pouvait bien se développer avec cette petite usine. Tout à fait. La nana de Loé, passez là-bas, vous allez voir la pierre. On a mis la pose de la première pierre, mais hélas. D'accord. En tout cas, je corrobore ce que vous avez dit avec l'autoroute Kribi Lolabé, parce que vous savez que les Chinois ont tout récemment fait un mouvement d'humeur, parce qu'ils, un mouvement de colère, parce qu'ils estimaient que les 15% que le Cameroun devait apporter dans le projet, les 15% n'ont pas été apportés. Voilà. Donc les Chinois ont fini leur part, il manquait que les 15% d'argent que les Camerounais allaient injecter, ils ne l'ont pas fait, bon, ils ont arrêté les travaux. Donc voilà. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. Dans un court instant, la deuxième partie, une pause s'impose. 6-12, le Zénith. Nous sommes le mardi 19 novembre 2019. Il y a du neuf sur ce plateau ce matin, avec évidemment tous ceux qui nous retrouvent seulement maintenant pour cette deuxième partie, revue des réseaux sociaux à venir avec vous, Karine. Allez-y. Oui, le gouvernement camerounais a répondu hier au gouvernement américain après l'annonce de son intention de suspendre le Cameroun des pays bénéficiaires des facilités de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique appelée African Growth and Opportunity Act, AGOA, à partir du 1er janvier 2020. Alors, selon le chef de l'État américain, cette décision est motivée par des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus, dont le gouvernement camerounais s'est rendu coupable lors d'une conférence tenue hier par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Il a tenu d'abord à mettre du clair sur la situation qui, pour lui, soit les États-Unis ne connaissent pas véritablement la situation du Cameroun avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou soit alors ils feignent de connaître cette situation parce que les militaires camerounais et même les civils sont victimes de plusieurs exactions et même des exécutions dans ces régions-là. Voilà, c'est terrible parce que beaucoup étaient un peu surpris hier, moi en premier, quand j'ai pris connaissance de ce qu'un point de presse du ministre de la Communication, non moins porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, allait se tenir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Je me suis posé la question, parce que chaque fois que le MINCOM sort, c'est toujours pour répondre à une situation de l'actualité, et je ne voyais pas vraiment laquelle situation était à l'ordre du jour. J'imaginais peut-être la caravane que conduit le Kasna Christian Toumi et d'autres prélats pour, on va dire, faire le service après-vente des résolutions et des recommandations du Grand Dialogue National. Je me suis dit, est-ce que ce serait pour dire ça? Est-ce que c'est pour parler des élections? Je me suis posé, est-ce que ça fait suite au propos de Atanganji, ministre de l'administration territoriale? Je me suis posé mille et une questions avant qu'on me donne le communiqué final de sa prise de parole où il parlait justement de la réponse à l'AGOA des Américains. Ça fait quand même de nombreux jours que cette affaire est tombée. Pourquoi ce n'est que maintenant? 20 jours. 20 jours justement, je l'ai dit à l'entame de ce programme, 20 jours. Pourquoi ce n'est que maintenant, 3 semaines après, que le gouvernement camerounais prend la parole officiellement, alors qu'au lendemain même du communiqué de l'ambassadeur d'abord et de la note qu'avait envoyée la Maison Blanche au Congrès américain, il y avait eu une réponse forte des Camerounais, de ceux qui défendent le pouvoir des Yaoundé dans les plateaux de télévision interposés et qui avaient eu un discours très arrogant vis-à-vis des États-Unis en estimant que d'abord l'AGOA, quoi qu'il en soit, ne nous apportait pas grand-chose et qu'on pouvait sortir de l'AGOA, que ça ne ferait rien aux Camerounais. Ils avaient dit que d'ailleurs, les Américains, on s'en fout de ce qu'ils pensent, leur ingérence, c'est pour eux là-bas, c'est cet impérialisme-là, on n'en veut plus. On a entendu, mon Dieu, des discours assez virulents, assez violents vis-à-vis du pays de Trump. Mais hier, on a vu un média de communication très poli, très apaisé, très courtois. Il a d'ailleurs rappelé que l'AGOA est très important pour le Cameroun, ce qui est quand même, ça tranche avec ce qui avait été dit avant ça. Peut-être que c'est sa nature, parce qu'il faut dire que René Sadi est de formation diplomate. Il est un diplomate de formation, il maîtrise les codes internationaux. Donc il peut imaginer qu'une puissance comme les Américains, il ne faut pas forcément se le mettre à dos. Surtout qu'il faut être reconnaissant, les Américains nous ont aidés sur un plan logistique, sur la guerre contre Boko Haram. D'ailleurs, il a rappelé dans ses propos, il a passé en revue la coopération militaire avec les États-Unis. Donc il faut quand même, à un moment donné, lorsque les gens prennent la parole en public, qu'ils prennent garde justement
de dire tout et n'importe quoi. Alors, je commence par votre commentaire à vous, Donald Brice Kamga. Oui, effectivement, je pense que sur cette question, il y a cette condescendance des communicants du gouvernement. Dans un premier temps, s'explique, je pense, par l'insuffisance de la connaissance d'un certain nombre de questions internationales, parce que j'ai le sentiment que les communicants au départ du gouvernement n'ont pas pris toute la mesure de l'acte qui venait d'être posé par le gouvernement américain. Pourquoi? Parce que je voudrais d'abord rappeler que si on s'en tient seulement au plan purement économique, l'AGOA a permis au Cameroun d'exporter pour 60 millions de dollars sur le territoire américain, c'est environ en conversion 32 milliards de francs CFA. Le taux de change entre le Cameroun et les États-Unis, c'est autour de 2%. 2% seulement des échanges commerciaux. On peut se dire que ce n'est pas significatif. Donc l'impact de la suspension du Cameroun de ce système de facilitation des exportations vers le territoire américain, l'impact au plan économique n'est pas assez considérable. Mais au plan purement politique, au plan symbolique, au plan diplomatique, c'est quelque chose de très fort. Parce que lorsqu'une sanction comme celle-là tombe, c'est repris par les médias nationaux et internationaux, RFI, La Voix de l'Amérique, ça fait la une des médias internationaux, c'est vulgarisé. C'est repris également par les ONG de défense des droits de l'homme qui travaillent sur ces questions-là. Et donc c'est internationalisé. Et sur le plan international, sur le plan des relations internationales, lorsqu'on est perçu comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est le motif qui a été avancé par le gouvernement américain, lorsqu'on est perçu au plan international comme un pays irrespectueux des droits de l'homme, pour l'image, comme un pays au faire la première posture au départ. Ça veut dire qu'il y a 20 jours, lorsque les gens prenaient la parole pour dire, pour être aussi arrogant, le gouvernement n'a rien dit officiellement. Ça veut dire que le gouvernement était à peu près d'accord avec ce que disaient ceux qui le défendent. Donc ça veut dire qu'au départ, ils étaient sur cette ligne-là. Absolument. Je rappelle que plusieurs fois, des ministres ont pris la parole pour dire officiellement que c'était insignifiant. Que c'est, oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. Justement, mais je pense que vous savez que l'appareil étatique n'est pas homogène. Il y a des intérêts individuels, des positionnements personnels d'un certain nombre de communicants qui ne suivent pas toujours l'orientation qui peut être donnée au plus haut niveau. Il y a un contexte qu'il faut rappeler. Vous savez que les États-Unis ont récemment suspendu l'aide militaire au Cameroun. Et d'après un certain nombre d'informations qui circulent dans les milieux diplomatiques, des sanctions plus graves après la suspension de l'AGOA pourraient intervenir à l'endroit d'un certain nombre d'officiels camerounais. À l'époque, les gens expliquaient que les Américains ont, par exemple, gelé les fonds d'hommes politiques à RDC, ça n'a rien changé là-bas. Je me souviens quand même des éléments de langage qu'il y avait à cette époque-là. Beaucoup estimaient que les Américains ont sanctionné ailleurs, ça n'a rien fait, qu'ils ne peuvent pas se permettre de sanctionner le Cameroun parce que le Cameroun est soutenu par la Russie, la Chine. Le président Paul Biya a réussi à se mettre de son côté dans la poche les puissances comme la Russie, la Chine, et que les Américains ne peuvent rien tenter tant qu'au Conseil de sécurité il y a ces pays qui ont aussi le droit de veto. Mais il y avait des éléments de langage qui étaient entretenus à ce moment-là qui montraient que le Cameroun pouvait se passer sans aucune gêne des États-Unis. Il faut faire attention. Oui. Les canaux de sanctions, de mesures de coexition au plan international ne se font pas, je veux dire, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas le seul canal à travers lequel des sanctions internationales peuvent être prises. Il y a des sanctions bilatérales, c'est le cas de l'AGOA, des États-Unis. Il y a d'autres sanctions qui peuvent être prises au plan purement bilatéral entre les deux États. Et donc, il faut également relativiser le soutien dont parle un certain nombre de communicants, parce que si vous scrutez bien les sorties de la France, évidemment que ça reste un soutien important de Yaoundé, mais la persistance de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest et dans d'autres régions du Cameroun, la montée du tribalisme et d'un certain nombre de dérives que le gouvernement n'arrive pas encore à gérer jusqu'ici, fait que le gouvernement, même les soutiens internationaux du Cameroun sont de plus en plus gênés. Il n'y a qu'à suivre les sorties récentes du ministre français des Affaires étrangères et même d'Emmanuel Macron qui se montre assez rigide sur un certain nombre de questions. D'accord. Alors, Chalamel, sur cette sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, c'est rare pour moi d'apprécier les sorties du ministre de la Communication, mais il faut quand même dire que là, pour cette séquence hier,
Il est beaucoup apprécié. D'ailleurs, je lis un peu partout hein, sur la toile. Il jouit d'une image d'homme policé. Vous savez qu'actuellement au gouvernement, il y a différentes figures. Il y a ceux qui sont des radicaux, ceux qui sont très autoritaires, ceux qui sont aux extrêmes. Il y en a qui sont modérés et désormais René Emmanuel Sadi fait partie justement de ces modérés du gouvernement qui pensent qu'il ne faut pas aller frontalement vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Monsieur Eric Fopoussi, c'est la nature même de l'homme. Regardez l'ensemble des ministères qu'il aura eu à parcourir. C'est la nature de l'homme. C'est un homme suffisamment pondéré. Ce qui lui a valu d'être appelé à une certaine époque monsieur propre, monsieur Eric Fopoussi. Mais même si on l'a envoyé. Son passage au ministère de l'administration territoriale à l'époque l'avait un tout petit peu secoué avec le tout début de la crise anglophone. Il avait un tout petit peu géré cela avec. Et à l'époque, nous avons dit que le fait de suspendre, de dissoudre le consortium était un tout petit peu une erreur stratégique. Oui. Et cela lui avait valu beaucoup de critiques à l'époque. Oui, monsieur Eric Fopoussi, vous savez qu'un pays comme les États-Unis fonctionne de bout en train, permettez-moi l'expression, ou de bout en bout avec ce qu'on appelle les ONG. Des ONG qui sont très actifs sur le terrain, des ONG reconnues à l'international, reconnues jusque dans les rapports, sont même prises en compte lors des séances de sécuritaires, hein, comment on va dire, vous avez conseil de sécurité. Vous avez eu International Crisis Group qui, pendant longtemps, s'est penché sur les questions des droits de l'homme, s'est penché sur la question sécuritaire, s'est penché sur la question même de la gestion du conflit par l'armée républicaine camerounaise et par les sécessionnistes. Vous avez eu le REDAC qui lui-même a tiré des coups à boulet rouge, monsieur Eric Fopoussi, sur l'armée camerounaise. Et tout, vous avez Human Rights Watch qui elle aussi, cette autre ONG qui n'est pas passée par mille chemins, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour démontrer que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. C'est vrai qu'à chaque tour, on a eu des sorties des différents ministres de l'époque. On a eu Issa Tiroma, à l'époque il était ministre, qui a sorti pour rabâcher le caquet à tous ceux d'International Crisis Group. On a allé même jusqu'à les interdire de mettre les pieds au Cameroun, les interdictions. On a allé avec les différents secrétaires responsables. On a bloqué à l'aéroport, pourtant ils avaient obtenu les visas et tout, de ne pas entrer. Toutes ces choses, monsieur Eric Fopoussi, ne regardons pas, comment on va dire, la partie visible. En interne, il y a des pressions sérieuses. Vous avez ceux que vous appelez les sécessionnistes, ceux que vous appelez les activistes, qui chaque jour font des vidéos, chaque jour constituent des dossiers, chaque jour enrichissent des dossiers. Vous avez la toile, c'est vrai, peut-être qu'on a réduit un certain nombre de choses, mais au niveau de la toile, vous avez des gens. J'ai regardé encore une vidéo où un monsieur est dans une couverte, il est en train de crier que oh, l'armée vient de tuer tout le monde, on a tué tous les membres. Oui, alors, au niveau de la... Est-ce que c'est les images montées, est-ce que ce n'est pas monté, c'est filmé? Vous savez, à l'international, ça se bat, ça bouscule, chacun veut avoir raison. Je lisais encore hier à M. Eric Fopoussi, si vous avez me donné la permission, un des rapports de Oxford, l'université de Oxford, qui a fait un autre rapport précisant qu'en 1949, je pense 1949, ma lecture, j'ai encore la bonne mémoire, qui précisait que ce premier conflit avait déjà, il y a eu une tentative de résolution de ce premier conflit, M. Eric Fopoussi, où il y avait eu encore des fourberies, raison pour laquelle on a renvoyé en 61. Donc, je viens à cela pour dire que les États-Unis aujourd'hui qui sortent pour frapper M. Eric Fopoussi, ils ont pris la peine de mesurer un ensemble d'impacts. Il y a des câbles diplomatiques qui sont faits où on a dit, vous rappelez que Balerin, l'ambassadeur Balerin n'était pas passé par mille chemins pour le dire sur le perron même du palais que j'ai conseillé, qui laisse ces choses, ça a valu ce que ça a valu. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer on l'a dit, avec des différentes sanctions. On a eu l'exilé, je ne sais pas si on va dire réfugié politique, Ambassazan, l'ancien ministre des Travaux, qui a fait une sortie sur la question. On a eu, juste après lui, une sortie très osée, M. Eric Fopoussi, du ministre Jean de Dieu Momo, qui a jusqu'à dire que c'est les gars de la diaspora qui sont responsables de cela, lancer des piques et des accusations. Il y a eu de l'insolence à un moment donné, et il fallait ramener les tirs, comme on a dit, ramener. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération? Parce que après, moi, je me dis, parce que j'ai vu des gens, j'ai écouté des gens nous dire que non, les Américains ont des éléments, ils ont leurs satellites
en haut là, qui filment, qui filment le nord-ouest et le sud-ouest, qu'eux, ils voient tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de fantasme dans les commentaires des uns et des autres. Monsieur Eric Faubourg, au sein même du gouvernement, il y a des gens qui font des câbles parallèles. Parmi l'élite, les députés et tout le consort de la zone du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des gens qui font des câbles parallèles. Les câbles vont de partout. Et il y a eux aussi, leurs observateurs sur le terrain, monsieur Eric Faubourg, qui observent et voient. La CIA. Je pose la question, la CIA, parce que non, mais parce que c'est intéressant de voir les, parce que les éléments de langage du ministre hier sont clairs. Il dit ceci, et c'est très intéressant. Je voulais terminer par un résumant en disant que il a dit concrètement en un langage trivial que oui, vous nous avez frappé sur les doigts. Souvenez-vous qu'on a des accords. Souvenez-vous qu'on a travaillé ensemble. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup de choses, des facilités qu'on vous a aussi permis. Mais retenons, oui, c'est clair ce qu'il a essayé de dire. Retenons quand même que nous aussi, on prend des coups. Nous aussi, on reçoit quelques petits coups qui viennent d'autre part. Oui, la dose peut ne pas être homéopathique. On peut avoir légèrement déposé, mais quand même, nous restons une république et nous restons toujours prêts à travailler avec vous, quitte à ce que vous revoyez l'ensemble de vos différentes positions. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que suite à vos propos, il faut dire que le ministre hier a parlé du primat des ONG. Il a regretté le primat des ONG. Il a estimé que les puissances internationales qui parlent du Cameroun font un peu trop confiance aux ONG et ils trouvent que c'est pas et ils trouvent que c'est une menace. Si les ONG commencent à être la mesure, comme il a voulu le dire, de ce qu'un pays respecte ou non les droits de l'homme, il estime que ça va aller dans tous les sens. Alors qu'il existe des canaux officiels où on peut savoir ce qui se passe ici sur ce plateau de la présence de la Croix-Rouge. Oui. Vous vous rappelez, monsieur Eric Faubourg, je pense que l'un des principes fondamentaux, c'est qu'en situation de conflit et de crise, nous devons voir les gars de la Croix-Rouge. Jusqu'à ce jour, vous avez vu les gars de la Croix-Rouge sur le terrain, vous les avez vus sécuriser les blessés, vous les avez vus même dans les situations les plus critiques intervenir. Vous vous rappelez qu'on avait soulevé cette question ici en s'interrogeant. Je crois qu'il y a quand même des facteurs, monsieur Eric Faubourg. Ce sont ces mêmes ONG qui viennent avec les médicaments. Ce sont ces mêmes ONG qui, à travers la succursale, les bras, on va le dire peut-être circulés, qui sont dans certaines zones, qui évoluent. On fait des rapports constamment sur la situation. Ce matin, Bouya s'est levé avec un calme de terre. Il y a un coup de feu. Parfois, nous avons des informations, vous et moi, nous avons des informations qui sont passées à Bouya, alors qu'en journée, aucun média, aucune information n'a eu à filtrer. Mais ils ont des informations que nous n'avons pas. Je reviens à vous, Donald, tout à l'heure. Gardez vos notes, Dominique Audrey, sur cette question. Si on ne peut pas reprocher au gouvernement américain de se focaliser sur les informations des organisations internationales, on sait que au Cameroun, on nous a donné des informations qui n'ont pas été avérées. On nous a parlé des femmes qui auraient été tuées au Mali, alors que c'était au Cameroun. Comment est-ce que vous voulez qu'on croit en ce qu'on vous dit alors que il arrive que vous ne nous disiez pas la vérité? Aujourd'hui, le gouvernement américain est obligé, est contraint de faire avec ce que les ONG disent. Moi, je suis d'accord avec M. Mbatsou. Il y a des chances qu'on ait des infiltrés, bon, pas dans le mauvais sens, qu'il y ait des personnes sur le terrain qui s'assurent de l'effectivité d'un certain nombre de choses. Et les personnes qui estiment que la Chine et la Russie, puisqu'ils font ami-ami avec le Cameroun, on ne peut pas subir des sanctions des États-Unis, valident l'information selon laquelle les droits de l'homme ne sont pas respectés ici. Mmh. Et on va continuer de faire n'importe quoi aux Camerounais parce que la Chine est là, la Russie est là, vous ne pourrez rien nous faire. D'ailleurs, il y a un passage, je veux dire... assez bizarre dans ce cas dit le ministre de la Communication, où il rappelle que même les Américains, dans leur guerre, font certaines choses. Donc, c'est comme un défi, une défiance. Voilà. On veut dire, même chez vous, vous ne respectez pas. Sauf qu'il le dit avec beaucoup de subtilité, comme du velours. Il est vraiment très. Il dit, comme toute armée dans le monde, quand il faut éradiquer des ennemis, toutes les armées dans le monde doivent souvent employer des méthodes. Les États-Unis ont parfois été obligés. Des dégâts collatéraux. Voilà. Les bavures des forces de défense et de maintien de l'ordre sont observables dans tous les pays, y compris aux États-Unis, sans que l'on puisse inférer systématiquement à un déni de démocratie dans les pays concernés ou à l'existence d'un état de droit. Sauf qu'au Cameroun, ce ne sont pas des ennemis.
Ce qui se passe au Cameroun, ce sont des Camerounais. Ce n'est pas un pays étranger, donc on ne peut pas parler d'ennemis lorsqu'on parle des personnes qui ressortent du Nozo. Mmh. Ce ne sont pas des ennemis. Vous parlez exactement là comme d'ailleurs, et c'est quand même intéressant parce que c'est là la pomme de discorde entre le gouvernement camerounais et celle des ONG qui estiment que ce qui se passe dans le Nozo est un problème intra-camerounais, en Camerounais. Alors le gouvernement estime que non. Il a face à lui des terroristes, des gens qui ne sont pas camerounais. Ah. Donc il faut bien qu'on... Okay. Et c'est là la pomme, le jour où on va résoudre cette question-là, on aura, je pense, à partie résolu la crise anglophone. Si le gouvernement accepte que face à lui, ceux qui ont pris les armes sont aussi des Camerounais, ce sera une évolution. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas donne, encore. Ce qui nous donne raison aujourd'hui, il y a eu combien de manifestations qui ont été rejetées par les différents sous-préfets, où les gens voulaient s'exprimer, laissant la liberté d'expression, on les a muselés littéralement. Non, nous avons même pour les élections, les échéances électorales à venir, nous avons des sous-préfets et des maires. C'est une preuve des droits de l'homme, ça? Du respect des droits de l'homme, monsieur Éric Faure-Poussy, c'est une preuve? Mm-hmm. Où on ne permet pas à l'homme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir véritablement participer de manière libre, en toute liberté, au choix de ceux qui vont prendre... Non, mais monsieur Éric Faure-Poussy, c'est là... Non, mais je dis bien ceci, c'est... Dominique Audrey, ce qu'elle a dit est très important et c'est très pertinent parce que dans l'esprit du Cameroun, ceux qui ont pris les armes au Nozo sont pour eux comme les Américains qui pensent que les djihadistes, l'État islamique, non, pour eux ils estiment que c'est l'État islamique. Donc c'est ça la différence. Bon, les Américains estiment que non, c'est un problème entre Camerounais. Il faut résoudre ça. À partir du moment où les deux, où le Cameroun aura intégré que ceux qui ont pris les armes au Nozo sont des Camerounais et qu'on doit faire un dialogue intra-camerounais, ça va changer beaucoup de choses. Pour l'instant, le Cameroun estime qu'il est agressé par un ennemi extérieur. Il faut bien qu'on s'entende sur les termes. Oui, Donald Brice Kamga. Non, je pense que les termes, il faut les relativiser. Il faut savoir qu'entre le discours officiel qui tend à peindre ceux qui combattent l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest comme étant des séparatistes, le gouvernement semble avoir reconnu à demi-mot qu'il y a eu des manquements graves dans la gestion de cette crise, d'abord au départ avec des manifestations socio-professionnelles qui ont été violemment réprimées et qui ont débouché sur une récupération par la suite de bandes armées. La situation est même plus complexe que le terrain. En dehors des séparatistes qui s'affirment comme tels, il y a d'autres groupes armés financés et entretenus par un certain nombre d'acteurs plus ou moins connus. Ça aussi, c'est aussi une situation qu'il faudra adresser. Mais je voudrais revenir sur le rôle des ONG. Je pense que le ministre de la Communication, il est très bien placé en tant que diplomate pour savoir que dans les relations internationales, il y a les acteurs étatiques des États, et également les acteurs non étatiques. Et parmi les acteurs non étatiques, il y a les organisations internationales et les ONG qui sont très prises au sérieux. Et les ONG qui ont parfois un statut consultatif à l'ONU. Absolument. Qui dressent des rapports sur la situation des droits de l'homme, sur la situation de la démocratie, de la gouvernance dans les États et qui sont exploités par la suite par les grands États, par les Nations Unies, par les grandes organisations internationales. Je pense que le ministre a voulu faire semblant de ne pas savoir, c'est de la politique, il le sait très bien. Oui. Pour sortir, on parle des États-Unis, je voudrais rappeler que la dernière sortie de l'ambassadeur américain au Cameroun, Balleran, avant la présidentielle de 2018, la sortie qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive, pendant laquelle il avait indiqué que les États-Unis avaient suggéré au président camerounais de passer la main. L'un des aspects de cette déclaration, et la presse n'en a pas beaucoup fait écho, c'est qu'il avait estimé que les entreprises américaines doivent également être promues au Cameroun. C'est-à-dire qu'en ce moment, les États-Unis au plan économique sont en difficulté avec le Cameroun. La place, le tapis rouge est déroulé aux partenaires concurrents comme la Chine, la Russie et les autres, en témoigne sur les 100 sommets convoqués par Poutine, auxquels les officiers camerounais ont pris part. D'ailleurs, il y a une délégation d'hommes d'affaires russes qui arrive au Cameroun dans les prochains jours. Donc, je veux dire qu'il y a une bataille à la fois politique, diplomatique, mais il y a une bataille économique qui se joue là. Voilà. Et la bataille économique, il faut dire que Trump, depuis qu'il est arrivé, il est sur tous les terrains. Je pense que le gouvernement camerounais également joue sur la procédure des pushmen qui visent le président américain en ce moment. Il faut rappeler que Nancy Pelosi, c'est qui? C'est la chef de la Chambre des représentants, un peu comme les députés au Cameroun. Alors, elle est à la tête de cette procédure-là. Et tout récemment, vous savez, jusqu'ici, on entendait, la commission d'institution entendait les témoins. Alors, ça part du fait que les démocrates reprochent à Trump d'avoir demandé au président ukrainien
d'enquêter sur Joe Biden, qui est, comme vous le savez, l'ancien vice-président américain de Barack Obama, et qu'il a demandé qu'on enquête pour que justement ça puisse, ils estiment que pour que ça puisse empêcher Joe Biden d'être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020. Rappelons, Joe Biden aujourd'hui occupe la tête des sondages aux primaires démocrates aux États-Unis et qu'il pourrait être en face de Trump à la prochaine élection. Donc, ils estiment que pour un président, il y a une trahison réelle. Et donc, on est en train d'interroger les diplomates qui ont travaillé pour la mise en scène de Trump actuellement. Et jusqu'ici, ça se passait à huis clos depuis une semaine. On écoute et on auditionne les gens, évidemment, en public. Et on peut estimer que le gouvernement camerounais joue également sur ça pour voir si oui ou non on pourra destituer Trump d'ici là ou pas, même si la procédure d'impeachment a peu de chances de réussir. Oui, même dans si le contexte pour l'instant c'est vraiment difficile. Je rappelle que hier Trump a fait un tweet pour dire qu'il est prêt justement à venir témoigner s'il le faut pour mettre fin à cette procédure. Il a appelé ça à ce cirque. En tout cas, on voit très bien que le président américain est comme il est. Et je pense que Yaoundé également joue sur ça. Est-ce que le fait qu'il y ait un démocrate à la Maison-Blanche peut changer, peut influer la politique extérieure américaine? Beaucoup d'experts estiment que non, que les Américains ont presque sur le théâtre international une vision tout à fait claire et nette, quel que soit celui qui est à la Maison-Blanche. Merci Karine pour ce sujet, revue des réseaux sociaux. On va poursuivre avec vous. Le deuxième sujet concerne les deux élèves qui ont poignardé un surveillant général au lycée bilingue de Bafoussam. Les élèves du lycée de Bafoussam, deux délinquants qui sont aux mains de la police actuellement, la police criminelle, qui a ouvert une enquête sur ces deux-là. Alors, selon les premiers témoignages recueillis par certaines personnes sur le terrain, le surveillant a confisqué le téléphone des deux élèves qui sont ensuite allés défoncer son bureau pour le récupérer. Surpris, ils ont tout simplement poignardé l'autorité administrative. Alors, on va peut-être s'excuser pour ces images. Vous savez, en droit de l'image, les enfants ne doivent pas justement être montrés à la télévision. On va donc s'excuser pour ça. Alors, je rappelle qu'il y a également une image qu'on avait sur le sang. J'ai demandé que vous ne puissiez pas la passer à la télé. C'est important parce que les images de sang ne se montrent pas à la télévision. C'est aussi les coups de droit à l'image pour ceux qui ont fait ces cours-là. Alors, il faut signaler sur ce plateau que nous faisons également de la pédagogie. Et la pédagogie est importante pour une télévision et c'est pourquoi nous faisons ça. Alors, Donald Brice Kamgan, sur ce surveillant général poignardé, justement, comme vous le voyez, au lycée bilingue de Bafoussam, on va dire que ça commence à faire beaucoup des enseignants qui sont violentés dans l'exercice de leur métier. Oui, ce sont des faits extrêmement graves et jusqu'au moment où j'entrais dans ce studio, je n'avais pas écouté une descente annoncée de la ministre des enseignements secondaires sur le site de ce qui est digne d'être appelé drame, parce que il me semble que dans une situation comme celle-là, je rappelle qu'il y a Bafoussam hier, mais également il y a l'UNACO dans le Mungo, oui. Prenne Consamba, où des élèves, des anciens élèves, dans ce cas-là, ont intimidé à l'arme blanche des enseignants. Il y a Ebonne qui est encore frais dans la mémoire, le proviseur qui a été blessé. Et dont la fille a été violée. Il y a un autre lycée à Garoua 3e, Djougali, j'espère que je prononce bien, dans la région du Nord. Il y a Ebolova, il y a d'autres cas comme ça. Bref, il y a une résurgence de la violence contre le corps enseignant. Le lycée Bonassama aussi, tout récemment. Bonassama, où un gendarme est arrivé au sein du campus et a passé à tabac deux surveillants, deux censeurs. Voilà, oui. Pour ce cas-là. Mm-hmm. Donc, sur ces faits, il y a le lycée bilingue de Dedo qui est encore frais dans la mémoire. Donc, cette constellation de violence entre en milieu scolaire et précisément contre le corps enseignant, pour l'instant, ne m'a pas encore semblé être prise au sérieux par le département ministériel en charge de ces questions, le ministère des enseignements secondaires. Je n'ai pas entendu qu'il y ait une réunion de crise, qu'il y ait une descente d'évaluation des causes, des problèmes, les causes qui sont connues. Pour le cas de Bafoussam, on voit bien que le mur du respect entre l'enseignant et les élèves
a été rompu. L'enseignant a confisqué les téléphones de ces deux apprenants et ils ont pris le couteau pour agresser l'enseignant au sein du campus. Oui. À l'époque, on percevait l'enseignant comme un dieu. L'approcher même, c'était être très courageux. Mais aujourd'hui, l'enseignant, c'est ce monsieur dont la semelle est finie, qui vous demande 200 francs CFA pour prendre le taxi lorsqu'il ne vous demande pas l'argent pour prendre deux beignets à la pause. Non, pour être plus sérieux, c'est une question grave qui mérite un conseil de ministre. Heureusement, malheureusement, chez nous, on en tient après 2-3 ans lorsque l'humeur s'y prête. Donc, oui, vous enfoncez le couteau dans la plaie. Hein. Non, ça c'est extrêmement grave. Oui. Lorsqu'on s'en prend à tout le corps social, si on s'en prend à l'enseignant, il y a matière à s'inquiéter. Je pense que les autorités doivent adresser de façon sérieuse cette question et repenser également le système de sécurité autour de nos établissements scolaires. La plupart d'entre eux, en tout cas un bon nombre d'établissements scolaires sont jonchés sont entourés de débits de boissons, en violation évidemment de la loi, sont également entourés par des consommateurs de drogues, de stupéfiants, de toutes sortes, de tramol, oui. Et tout cela agrandit l'insécurité autour des établissements scolaires. D'accord. Alors, Chalamel, je veux dire qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'on dise stop. Faut qu'on s'arrête un peu et qu'on estime que là, on a dépassé la ligne rouge. Monsieur Eric Fopoussi, à mon époque, au lycée, nous, on ne connaissait pas ce type de désordre. On n'a pas connu ce type de désordre où des gens, des enfants se retrouvaient à agresser des enseignants, où des enfants se retrouvaient à bagarrer avec des professeurs parce que le règlement intérieur était respecté. Il fallait avoir les cheveux ras, il fallait avoir les ongles taillés, il fallait avoir le nom brodé sur la tenue, les cuissons au devant. Si vous bavardiez, on consignait votre nom 2-3 fois, il fallait convoquer les parents. Vous étiez traduit au conseil de discipline. Si ce n'est pas le conseil de discipline, on devait faire venir l'un de vos parents avec sanction immédiate. Il y avait tellement de mécanismes qui avaient été mis en place, M. Eric Fopoussi. Lorsque vous avez bagarré une ou deux fois, lorsque vous commencez à élever le ton, on appelait rapidement le commissaire qui n'était pas loin ou le commandant de brigade qui n'était pas loin. On venait vous pêcher, on vous amenait au niveau de la brigade. Là-bas, vous devez écrire 700 fois, je ne recommencerai pas, avec vos parents qui devaient venir. Donc, il y avait des méthodes, M. Eric Fopoussi, pour traumatiser. Oui, pour traumatiser, pour casser ce style de velléité. Monsieur Eric Fopoussi. Donc, on avait le système où une fille qui tombe enceinte ne continue plus l'école, elle doit arrêter l'école. Vous voyez, l'occidentalisation, le développement est venu, on a assoupli. On a donné une fille pour être enceinte, elle continue ses cours, ça dépend d'elle. On a d'autres que c'est en pleine salle d'examen, que le choc, le stress la prend même, parce qu'elle ne connaît pas ce qu'elle va écrire. L'enfant sort pour dire que voilà, j'ai accouché en salle et tout, tout. Donc, vous voyez, on s'est retrouvé à cela. Au niveau des différents établissements, on a des suivants de secteur, suivants secteurs, suivants général, censeurs, proviseurs. Que font-ils, M. Eric Fopoussi? C'est la question. Ils font le voilà. Travail. Que font-ils? Non, pour monsieur le cas d'espèce, non, M. Eric Fopoussi, à partir, M. Eric Fopoussi, à partir de la sixième, ne regardez pas le téléphone qu'on a enlevé, M. Eric Fopoussi, à partir de la sixième, on commence à suivre l'enfant, à filer l'enfant, à détecter les bons des mauvais grains, M. Nifopoussi. De la sixième à cinquième, on suit en disant, hey, il y a un tel grain. Lorsque dans la classe, ça commence, le suivant de secteur, lorsqu'il arrive, il dit, monsieur Déor, il sait que cet enfant est un récalcitrant. Mais comme il y a le phénomène de changement d'établissement, parce que ça, c'est un autre truc. Vous voyez, il y a des enfants qui excellent dans l'art de changer de lycée chaque année. Mmh. Aujourd'hui, le gars, bon assemblant. L'année prochaine, on ne sait pas savoir qu'est-ce qu'il a enlevé de Bonassama. Vous avez vos 100 000, il a Nobel. Il finit au lycée de Nubilingue de Nobel. De l'année que j'ai il a Dedo. Il finit de Dedo. Parfois, vous avez des... Non, oui, c'est important ce que je dis, monsieur Fopoussi. Vous avez des enfants qui deviennent des touristes scolaires avec la bénédiction de leurs parents. Des cas comme cela, on va fabriquer des bulletins. Il y a des champions là à Dedo qui fabriquent des bulletins de notes. Même si vous voulez avoir fréquenté à Djogali, là on a dit, on vous ressort ça, même on vous frappe tout ça, on vous recule dans l'établissement. Non mais comment on laisse un enfant accéder à l'enceinte d'établissement scolaire avec des couteaux? Monsieur Eric Fopoussi, nous avons, il y a une semaine, sur la toile, on a vu un enfant qui avait dans son sac 17 tenues. Et c'est là que je voulais chuter, 17 tenues. On l'a pris, je crois, c'était en Coletton.
Il avait les tenues de, je sais pas moi, de la Cité Verte. Il avait les tenues du lycée de Biémassi. Il avait la tenue, j'ai dit, cette tenue. Donc, lorsqu'il arrivait à l'approche de l'établissement, il enlevait la tenue, il mettait la tenue du lycée concerné et il entrait. Qu'avait-il dans son sac de la drogue? Et je voulais donc chuter par là, les vendeurs de drogue. Aujourd'hui, près des établissements scolaires, vous avez des barman dont la spécialité, je n'insulte pas les barman, vraiment, je m'en excuse, certains barman, monsieur, il faut possible, qui utilisent la seringue antitétanique. Ils utilisent la seringue antitétanique sur les boissons de jus. Ils injectent, donc, ils savent comment ils font la mixture de jus. Ils injectent via la capsule. Vous savez que la seringue antitétanique, elle est très fine. Ils injectent, ils poncent. Donc, quand les gars arrivent, ils disent, gars, donne-moi ce que tu connais. Le gars sort la bouteille de jus. Vous avez l'impression qu'il boit la bouteille de jus. Parfois, c'est dans les cantines. Ils avaient l'impression qu'il boit la bouteille de jus alors que le gars est en train de se shooter. Vous avez des élèves qui sont des dealers, monsieur Rifopoussi, qui tiennent. Dans les quartiers, vous avez des patrons. Des barons de la, des barons de la drogue, des vendeurs de la drogue, qui voient certains élèves des revendeurs. Ils vont négocier avec ces élèves, le gars décide de prendre, il file à ses congénères dans les différentes salles de classe. À la récréation, si on avait des étudiants de secteur qui travaillaient véritablement, vous avez des enfants qui jouent la carte, le Ndjambo. Vous savez que dans certaines salles de classe, pour ce que j'ai visité dans cet établissement, il y a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Il y a des fenêtres de certaines salles qui ne s'ouvrent pas. Les gars sont au coin avec les torches de téléphone. Ils sont en train de jouer. Donc, certainement, si vous posez la question, beaucoup d'élèves vont vous dire que c'est comme ça que ces gars fonctionnent. Il y a des gars spéciaux des établissements scolaires qui disent aux jeunes filles, on t'attend le soir, si tu n'es pas là, ne viens plus jamais parce qu'on va te sortir la lame. Ils se baladent dans les établissements avec la lame. Vous vous amusez, c'est la lame qu'on vous passe sur le corps. Oui, monsieur Nicopoussi, je vous le dis. Donc, ces étudiants de secteur ne travaillent pas. Il n'y a pas de méthode de coercition entre les responsables et la sécurité publique, parce que je pense que si un proviseur, un surveillant général, un surveillant des secteurs interpelle un commissaire ou un commandant de brigade, si vraiment il reste dans la brigade, ça veut dire que vraiment il est de mauvaise foi. Il faudrait bien qu'il intervienne et c'est ça qui nous fragilise. Vous avez posé une mauvaise question tout à l'heure, monsieur Fokus. Non mais, vous jugez mes questions. Oui, je me permets de juger sur cette fait la permettez, oh, souffrez oui. Que je le dise. Oui, pourquoi elle est mauvaise ma question, allez-y. Vous avez demandé... Comment on permet aux élèves d'entrer dans les campus avec les couteaux? C'est une mauvaise question. Mais ma question est naïve. Parce que si vous avez 3000 élèves, comme c'est le cas au lycée bilingue de Deido, et que vous devez contrôler 3000 élèves le matin à l'entrée du campus, vous y passerez 3 heures. Et les cours commenceront environ à 10h ou à 11h30. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacraliser l'école. Sacraliser l'école, c'est payer les enseignants. C'est créer du respect vis-à-vis de ce corps qui est respecté, qui est noble. C'est également réformer l'école, réformer l'éducation de façon globale. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. C'est également réformer la famille. On n'a pas le code de la famille au Cameroun. Chacun fait comme il veut. Chacun éduque son enfant selon sa vision du monde et tout cela. Il y a beaucoup des autres. C'est une longue chaîne avec beaucoup de responsabilités qu'il faut dégager. Et ne pas se limiter au simple contrôle de qui a le couteau, qui a la lame au sein des Cameroun. Bon, en définitive, il faudra toujours contrôler. Hein, parce que après, on ne laisse pas n'importe qui entrer dans un lycée comme ça. Je veux dire qu'à un moment donné, on doit s'assurer... On doit s'assurer de ce que vous transportez. Je veux dire, à un moment donné, il y a une urgence à ça. Le meilleur système de sécurité, de protection, c'est la prévention. Tous les sécurocrates le savent. La meilleure façon de faire en sorte que les gens ne volent plus, c'est de prévenir le vol. Si vous dites, ok, lorsqu'il y a un voleur, on les punira, évidemment, vous créez beaucoup de voleurs pour punir. Et d'accord. Lorsque vous punirez, il y a d'autres conséquences qui s'enchaînent. Voilà. Donabrice Kamgan a une mauvaise question. Une bonne réponse. Alors, Dominique Audrey, sur cette question. Moi, il y a la responsabilité des parents dans cette histoire-là. Parce que dans les établissements, on a des individus déjà finis. Mais oui, il y a les surveillants des secteurs, il y a les proviseurs, il y a machin, il y a autre là. Mais que font les parents derrière? Parce que eux, à la base, leur rôle, c'est d'instruire ces enfants-là. Quelle est l'éducation que les parents donnent? Que fait votre enfant lorsqu'il rentre de l'école? Où est-ce qu'il va? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils rentrent de l'école, ils restent, si c'est un garçon, ils restent avec le pantalon, ils balancent le sac, ils sortent, ils partent. Ils reviennent tard après. Vous ne savez pas avec qui votre enfant marche. Vous ne savez, puisqu'il n'y a pas de dialogue entre eux. Les parents. Et les parents doivent voir, regarder les tendances de leurs enfants, savoir avec qui vos enfants marchent. Monsieur Fopoussi, est-ce que vous savez, j'ai une image dans mon portable d'un peigne à queue. Mais en fait, ce peigne, c'est un couteau. Lorsqu'on enlève les dents, c'est un couteau. Ne me demandez pas par comment on fabrique ce genre de choses. Non, on peut même fouiller les sacs des jeunes filles. Mais vous croyez voir un peigne, mais c'est un couteau.
à la base. Je ne sais pas si dans les établissements scolaires, on peut installer des... Il y a des systèmes que je vois parfois à la télé, et lorsque c'est le fer qui passe, ça fait pim pim, puisqu'on ne peut pas fouiller tout le monde. Peut-être avec... Les détecteurs de métaux. Oui, voilà, merci. Les détecteurs de métaux, peut-être là, à ce moment-là, on va pouvoir filtrer. Il y a aussi qu'aujourd'hui, on voit les élèves multipliés. Il y a ceci, que beaucoup d'établissements scolaires sont des lieux où les gens viennent jouer le ballon le dimanche. Mm-hmm. On n'aura pas forcément allumé le détecteur. Le gars peut entrer le samedi, planque ça quelque part. Mais on peut aussi. Donc je vous assure, on peut que décider de des méthodes, ça. Des méthodes, les gars savent contourner la loi là-bas. Il y a des secteurs où les gars escaladent constamment pour pouvoir entrer. Vous finissez de cimenter, ils reviennent recasser pour remonter. Donc c'est... Dire ça, c'est un peu comme dire que peu importe ce qu'on fait, rien ne pourra. Non, c'est sur l'individu. Il y a des enfants qui ont dépassé leurs parents. Moi, je connais un garçon du lycée d'Aqua qui tape son père. Il tape sa mère. Comment on en arrive le là? Le père allait porter plusieurs fois plainte. C'est la famille. C'est la famille qui passe sortir le gars. Non, je vous dis qu'il y a des pour supplier. Pour supplier. Il faut s'attaquer aux racines du problème. Oui, symptôme. C'est ça la question. Monsieur Poupoussi, dans notre société, nous-mêmes, nous savons qu'il n'y aura pas toujours des bons grains. Mm-hmm. Dans nos écoles, on sait aussi qu'il y a... L'école, c'est aussi comme un centre de redressement pour les élèves. C'est pas tous les parents qui arrivent à le faire, s'il vous plaît. Il y a des parents qui, même avec les enfants à la maison, ils savent déjà que c'est fini pour lui. Mm-hmm. Que comme il a son enfant là, c'est fini. L'enfant là pourra faire tout ce qu'il veut. Et vous voyez qu'à un moment donné, il y a des parents qui envoient les enfants ailleurs parce que l'enfant vraiment a un niveau, a un niveau de délinquance assez élevé. Maintenant, dans les écoles, dans un lycée. Et dans notre lycée, à un moment donné, il y avait le phénomène de bagarre et des élèves qui venaient du quartier, parce que j'étais au lycée du Panda, il y avait des élèves qui venaient du quartier juste voisin là pour venir, pour faire le désordre. C'est-à-dire pour faire le désordre, pour bagarrer, pour faire le retour et tout. Oui. À un moment donné, on avait les détecteurs de métaux et tout. Mais vous voyez qu'au premier trimestre, vous le faites bien. Mais au deuxième trimestre, je fatigue parce qu'on se dit que les élèves, on a déjà notre système, on a déjà les élèves et tout. Tout le monde est clean. Mais vous voyez, à un moment donné, avant la fin d'année, tout se relève. Et donc, c'est comme si dans les écoles, il y a des moments où il y a des crues et des moments où il y a des basses. Vraiment, je ne comprends pas. C'est comme si à l'école, il y a des moments où il y a des tensions, des moments où les tensions baissent. Non, mais la vérité, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On est en train de se battre sur une chaîne télévision qu'on appelle Equinox TV, de débattre sur un fait qui s'est passé à Bafoussam, au lycée bilingue là-bas, où des élèves ont poignardé un surveillant général. Je ne sais pas si c'est que c'est la fin du monde qui va nous arriver là maintenant, mais c'est extrêmement grave parce que vous savez, je me rappelle monsieur, de la figure de mon surveillant général. Pour moi, c'était un dieu. Monsieur, et vous savez, nous l'appelions à l'époque Apophis, qui était un choc bandit dans Stargate, pour parler trivialement, la série Stargate, parce que le gars faisait tellement peur que on a dit, donc, lui, c'est Apophis. Donc, vous imaginez. Dans certains établissements, dans le Onkam, dont je vais taire le nom, dans une... Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème sur le choix des surveillants généraux, des surveillants de secteur? Parce qu'il me souvient qu'à l'époque, pour que quelqu'un soit surveillant général, il fallait qu'il y ait la carrue, qu'il ait quand même quelque chose de... Non, à l'époque, quand je voyais un censeur ou un surveillant général, c'était des personnes qui étaient particulières. Mais aujourd'hui, avec le marchandage des dénominations, chacun peut payer, monnayer pour qu'on le nomme. Il y a surveillant général dans un lycée dans le Onkam, M. Eric Fopoussi, dont la particularité était d'arracher le téléphone des jeunes filles aux fins de les violer, de coucher, d'entretenir des rapports avec elles. Donc, lorsqu'il récupérait votre téléphone, vous marchez derrière lui, il vous demande de passer chercher à la maison. Il n'a pas, lorsque vous arrivez, coucher avec lui. L'affaire est pendante en ce moment même devant M. Eric Fopoussi sur la table de Mme le ministre des Enseignements secondaires. J'espère qu'elle prendra. Est-ce que ce surveillant général, lui aussi, parce qu'on peut trop tirer sur les élans. Est-ce que ce surveillant général, non. Il est blessé. Attention, Eric Fopoussi. On a vu, s'il vous plaît, des surveillants généraux qui vont fumer le guet avec les élèves. On a vu des surveillants généraux qui vont récupérer. C'est bon, c'est bon. Avoir de l'argent, non. Merci, Charles. Je vous en prie, merci, Charles. Merci infiniment. On a terminé. On va prendre interpellation à présent, madame, monsieur, après cette revue des réseaux sociaux. A tout de suite. My own contribution for Cameroon, like how I receive all Bamena then where they did for you.
we dey no get side for go because all the problem we dey for this side na them that they need for pay work. I dey for here for help. Na my own contribution that because plenty thing then they happen. Plenty bad men that get and don't prostitute for outside. So na my own help that for Cameroon here. But I beg say make government try for help. Make the problem pass. Because now already going to 4 years, so I never see my own mommy since this thing start. So I beg say me they try. By all means, me this thing, this problem pass. D'ailleurs, il faut saluer cette Camerounaise, cette femme qui accueille hein, des voilà, c'est là, elle a un bon cœur comme vous dites. Alors, juste 30 secondes vraiment pour la supplication qu'elle fait ce matin sur Equinox. Oui, je pense que cette compatriote qui emploie, me semble-t-il, plusieurs filles qui viennent des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest nous interpelle sur les conséquences économiques et également sociales de la crise anglophone. Beaucoup de filles, beaucoup de personnes, de citoyens de façon ordinaire ont perdu leur emploi en raison de ces tensions-là. Beaucoup également qui ont quitté ces régions n'ont plus de toit, n'ont plus leur emploi. Et on a vu, c'est encore frais dans la mémoire, les images de ces jeunes filles qui sont obligées de se prostituer pour pouvoir jouer. Ok, merci. Alors, après la grande promotion sur les produits d'étanchéité sur Weber Drive Plus et Weber Drive Foundation, Sorebco nous offre une nouvelle promotion sur les congélateurs et les réfrigérateurs de marque. Avec vous, donc ce matin, Constilamine, nous évoquons cette thématique. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et à ces clients, je leur dis déjà merci parce qu'ils ont été nombreux à accueillir la dernière promotion lancée par Sorebco. Et ce matin, nous lançons une promotion spéciale fête de fin d'année dans les agences Sorebco de Douala, de Bafoussam, de Kribi et de Yaoundé. Il est question de quoi ce matin, chers téléspectateurs, de parler qualité, de parler style, de parler garantie, mais alors de parler de la marque super cool. Rien que la marque dont l'envie de découvrir derrière ce qu'il y a derrière cette marque. Alors je rappelle que la marque super cool dans les agences Sorebco, c'est bien entendu des congélateurs et des réfrigérateurs de qualité supérieure. Ah ben oui, ceux qui n'ont pas encore un congélateur à la maison, ceux qui n'ont pas encore un réfrigérateur à la maison, c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les agences Sorebco et d'acheter un congélateur vertical, un congélateur de qualité supérieure. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est nyanga. Regardez comment il est stylé. Oh là 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 là. Les congélateurs super cool dans les agences Sorebco, vous les avez à 180 000 francs. Ce n'est pas un petit congélateur. C'est un très grand congélateur de 230 litres. Je rappelle qu'il est neuf dans le carton avec garantie. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans les agences Sorebco de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Kribi ou alors d'appeler dès à présent et de profiter de cette offre qui vous permettra d'acheter un congélateur, pas n'importe lequel. On peut d'ailleurs l'apercevoir à l'écran, un congélateur de qualité supérieure, bien entendu à 180 000 francs, ça c'est du jamais vu. Il n'y a qu'à Sorebco qu'on peut l'avoir. Un congélateur de 230 litres, un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie, un congélateur qui vous permet de bien garder vos aliments, de garder votre boisson, un congélateur qui est stylé, un congélateur qui est nyanga. Oh là 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 là. Sorebco encore fait fort le tour-ci. Donc celui qui n'a pas encore un congélateur, c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre dès à présent dans les agences Sorebco. Je rappelle que le stock, il est très très limité. Commencez déjà à appeler dès à présent. Passez vos commandes. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans les agences Sorebco et d'acheter un congélateur neuf, un congélateur de qualité, un congélateur d'origine à 180 000 francs avec 6 mois de garantie. Je n'ai pas dit 1 mois de garantie, je n'ai pas dit 2 mois de garantie, je dis bien 6 mois de garantie pour un congélateur de qualité dans les agences Sorebco. À côté bien sûr du congélateur, pour ceux qui aiment les réfrigérateurs comme Tata Adèle, comme nos amis de Beaumono, nos amis de Souza, nos amis de Nkonsamba, vous avez un réfrigérateur de couleur grise. Oh là 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 là. Je dis bien un réfrigérateur de 240 litres.
Je n'ai pas dit 24 litres, hein, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit 15, j'ai dit bien 240 litres. Il est costaud, il est géant. Vous l'avez toujours à 180 000 francs. C'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs. Vous me regardez en ce moment du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté de Kribi. C'est l'occasion de courir dès à présent, de prendre le premier taxi, de prendre la première moto, alors de démarrer votre véhicule, d'aller directement dans la jazance de Soreco et d'acheter que ce soit un congélateur, que ce soit un réfrigérateur à 180 000 francs. Commencez à appeler dès à présent. Appelez Soreco. La 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 la. Alors n'hésitez surtout pas. Donc un imam, on a mon c'est, you want congélateur, you want réfrigérateur, ou à poulaté congélateur, nya boam, ou à poulaté congélateur, nya nyanga, à l'ande au Soreco, tatan, 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 tatan. Et banjana, ou à les congélateurs, nya boam, 180 000 boukate. Et dit bien seulement à 180 000 francs, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent. Et je rappelle que le tout n'est pas d'avoir un congélateur à la maison, chers téléspectateurs, mais c'est d'avoir un congélateur de qualité. Un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie. Un congélateur qui est d'origine. Un congélateur de qualité supérieure. Alors rendez-vous directement. On va encore présenter le congélateur aux téléspectateurs. Regardez encore l'image de ce congélateur. Regardez la couleur. Regardez la beauté. Regardez l'intérieur de ce congélateur dans les agences Soreco. Alors appelez directement notre service commercial au numéro qui va encore s'afficher à l'écran. Appelez dès à présent, tout de suite maintenant, et achetez un congélateur ou un réfrigérateur à 180 000 francs dans les agences Soreco. Nos amis de Ngamdéré, de Maroua, c'est-à-dire nos amis bien sûr de Bamenda de Bouya, pourront également appeler notre service commercial et avoir des prix promotionnels sur des congélateurs. Je rappelle que le stock il est très très limité. Un congélateur, un réfrigérateur à 180 000 francs. Il n'y a que Soreco pour le faire. Il n'y a que Soreco pour vous le donner. Alors les fêtes de fin d'année en couleur. Ne gardez plus les aliments chez les voisins. N'allez plus boire l'eau glacée chez les voisins. Ne dites pas que voisin, pardon, est-ce que vous avez de l'eau glacée? Non. Soreco vous permet d'avoir de l'eau glacée à la maison. Soreco vous permet de garder vos aliments dans votre congélateur avec seulement 180 000 francs. Merci beaucoup et rendez-vous dans les agences Soreco de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam et de Kribi. C'est ici, madame, monsieur, que s'achève cette autre édition de votre magazine 10-12 Le Zénith. On se retrouve donc demain, 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun.